C'est quoi ça, Sarah? Jamais tu seras seule, ma belle. Jamais, pas ici. C'est... Merde, ça m'aide pas. Bam, bam, bam. Ah, vas-y, elle n'avait pas fini d'écrire. Ouais, parce que je comprenais pas, là. Continue comme ça, tu gères. Merci beaucoup, Maïsa. Salut, Jadounette. Salut, Métia. Salut, Impasse. Olga, le buzz. Le pass est payant, mais pour les anciens... Ouais, c'est normal, c'est parce qu'il est passé gratuit. Son pseudo Twitch, c'est dans... Dans les paramètres, après, faudrait que je te montre. Assis bailando. Assis bailando. C'est... J'ai quoi en tenue de... On la met comme ça, non? En vrai. En vrai, elle est pas trop mal comme ça. Je vais juste baisser un petit peu. Chouille la musique. Madame, arrêtez de crier dans mes oreilles, s'il vous plaît. Je me concentre sur le jeu vidéo. C'est bien ça. Non, j'ai pas vu ton message sur Discord, Tom Tom. Salut, Divine. J'adore le gros t-shirt, le gris. La robe blanche. En fait, je vais m'habiller normalement parce que je suis quand même censée être une gangster. Hein. Je fais la con, mais je suis quand même censée un minimum. une gangster. Non, j'ai pas fait le mot d'absence. On va voir ce qu'ils vont me dire. Salut, 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 Bernard. Ça va? Ah oui. Ina, elle boude toujours Koff et T-Rex, bien sûr. Est-ce que j'ai des messages? Que... Alors, Kuro, il a dit quoi, mon frère? Que de la merde. C'est. T'as dit. Lui, il est trop vague. Hein. Pof, qui m'a envoyé une photo. Un mec, là. Hein? Deux. Allô? C'est quand qu'elle revient? Des Salut, messages salut! solides. Elle veut Salut! rentrer Ouais, dans le ma rythme de tête. Je peux pas Ina y est continuer. parti! Aïe, aïe, Bonjour. aïe! Aïe! Je tiens pas debout! Oh, C'est bon. J'écoute des musiques de comment fin, tu ça vois. va? Ça va ou quoi? Ah, gars, Oh, j'ai évité tout court comment d'ailleurs. ça va? Oui, J'écoute ça... Hop là, musique fraîche la Sarah! nouille là. Ça va! Hop là! Fraîche ta douille à Pourquoi 5-5. je peux... Pourquoi je... Vraiment? Hein? Eh oui, t'as vu, faut les Comment tu sais? refaire. Oh, mangez vos morts! Ma vie, fais Ah mon putain, le frère! bâtard! Aujourd'hui, je fais rien du tout, me J'ai vu demandez sur mon pas! mantel tout à l'heure. Putain! Non. Ça va ou quoi? Ina, bien ou quoi? Ina. Ouais, ça va. Oui. Ina. T'as Oui. pas oublié un truc par hasard? Bah, Va je vite te t'aurais bien fait chercher. un câlin, mais en ce moment, tu peux pas trop là pour l'instant. Non mais je m'en Attends. fous de ton Attends, câlin, je vais pas mentir. bouge pas. Voilà, comment ça va, toi? Bon, Non, sérieux, là? non, 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 t'as oublié un truc aujourd'hui. Je Qu'est-ce que tu veux, reviens. Sophie? C'est parfait. Tu veux un bloc-notes? Je veux un truc Un complet. V. Bon, les gars, il veut un mot d'absence. Un mot d'absence, pas un mot de retard. Ouais, je n'ai plus de musique, s'il vous plaît. Oh, cette musique, c'est ma vie. Alright. Pourquoi j'ai plus de bloc-notes? Ramener. Ouk! Ouais. Allez, donne-moi le T'inquiète pas. Ah, tu vois? Comment ça, donne-moi le bloc-notes? Non, mais c'est histoire de bien réécrire proprement. Ah, vas-y, écris ça au propre. Salut, Maël.
Il est trop bien le camping. Ah ouais, t'es vers où dans le camping? Enfin, dans quel camping? Non, après, hein. Oui. J'ai pas volé un bloc-notes à coffre pour rien. Ah, ok, C'est vas-y. qui ça? Remember, do you remember? Bon, alors attendez. Monsieur, mesdames. Ouais, ok, ouais. Dire monsieur, madame. D'accord, ouais. T'as Bloc. raté plein de trucs, faut que je te raconte plein de trucs. Attends, j'écris. Attends, tu me dis après. Attends, attends. Déjà, Thierry, si t'as trompé avec une indienne. Attends, attends, quoi? Attends. Ah, je lâche ça direct, comme ça t'es bien dans le truc. Attends, j'écris parce que là. Après, je me suis fait péter par les cops. Attends. Attends, attends, tu Après, m'expliques Simone s'est après. fait péter par les Indiens. Quoi? On a perdu 25 000 dollars et 5 Beretta. Et les Indiens, ils sont sur notre cul. Voilà, bisous. C'est fini quand t'auras fini, hein. On est bien là. Ah, et attends, j'ai oublié. Ferme ta gueule, ok? Hein? Chut. Ouais, c'est ça. Ouais. Salut Karl. Alors salut à tous ceux qui arrivent. Attendez, parce que là, faut que je me contrôle. Attendez, parce que là, il vient de me dire des dingueries là. Je sous-signais Mademoiselle Inaya Scott, reine de la mode et des sourires. Être désolé de ces 3 jours d'absence sans prévention. En effet, j'ai été atteinte d'une atroce maladie. Une atroce maladie. Comment, les gars, comment on dit qui se transmet là? Putain, j'ai plus le mot, je l'ai sur le bout de la langue. Une maladie. Salut, espèce de BG. Salut, Truffade. Contagieuse, merci. Contagieuse. Salut, Lucas. Une affreuse maladie contagieuse. Maladie contagieuse qui se nomme Poupilou Pipi Rourou. Poupilou Pipi Rourou. Cette maladie consiste à vomir seulement des pâtes, mais seulement par trois. Exemple, Urk, j'ai vomi 3 pâtes. Ils vont me défoncer. Encore les pâtes, bah bien sûr. Des fois, il m'arrivait même de chier des spa. Comment on écrit spaghetti? Ouais, bon, de toute façon, c'est Inaya, hein. Et comment on écrit spaghetti, les gars? Je n'ai plus le mot, là. Spa. Gay. Il n'y a pas un H dans l'histoire. Rien, Clara, il s'est rien passé. Apparemment, il y a eu des dingueries. Apparemment, T-Rex, il a trompé Inaya. Oh. Merci, je savais qu'il y avait un H. Bon, en fait, je l'avais bien écrit au début, hein. Merci, les loulous. Même des spaghettis de 2 mètres. Putain, ils mettent des musiques. Je sais pas si vous connaissez. Est-ce qu'il y a des gars qui connaissent. Des gens. Enfin, des gars. Des filles ou des garçons qui connaissent cette musique? Et Tommy. De 2 mètres 23 et demi. Je suis désolée, mais pour votre bien. Je me devais. Oui, vous connaissez? Vous savez de quoi ça vient? Si je vous dis qu'en proc, c'est à l'ancienne, les gars, hein, ça date de mon enfance, mais j'adore cette musique. Ah,
J'aimais trop. Genre le tét tét. Ça, j'aime trop ça. Tét tét. Votre bien, je me devais de rester dans mon lit, manger ma soupe de. Qu'en proc, c'est toute ma vie, hein. Vraiment, c'est toute mon enfance. Hein. Ma soupe de. De couscous. Il n'y a rien qui va dans mon mot. Hein. Je vais écrire Big Love, comme j'ai l'habitude de le faire. Ina la BG. Me tape pas, tu connais. Il est trop bien, mon mot. I'm Mon appart va choosing, être avantageux pour nous parce qu'on a pas mal de plans là-bas, ouais. surtout celui du pont. Ouais. Et bon, là, il y aurait des personnes qui auront Celui des du gilets, pont, merci. d'autres De rien. qui n'auront pas de gilets. Quel celui du pont? Le pont, wesh. Le pont juste à côté, comment ça s'appelle? De la route 68, là. Le Ah pont. ouais, Là, le là. pont rouge, le pont en bois rouge. En Ouais, c'est contrebas ça. du port C'est ça, Fernand c'est ça. Coudeau, là. Ouais, pas de Ouais. soucis, je fais ça. Tiens. Merci. Merci beaucoup. Attends, je lis ça. Si tu peux l'avoir dans ma Y a tête, qui ça comme m'arrange. avantage? Je le cueille, là. Personne. Personne besoin de bandage, Dixon? Ah, Moi j'ai oui, besoin, moi, moi. Moi j'ai besoin, moi j'ai besoin. Ah, là, là, Non, c'est je tout pensais mignon. que tu disais. Non, j'ai pensé que tu disais qui a en bandage. Parce que je pensais que le mec il T'en veux t'a. combien, moi, Justin, Inaya? Justin, Justin, ouais, Justin pour. Inaya, t'en veux un aussi? Ouais, vas-y, s'il te plaît. Les autres? Non, Bah, personne. ça va. C'est bon, merci. Rex. Vas-y, T'arrives envoie. là, non? Vas-y, ça fait 4 bandages. Viens, T'en veux un viens, viens. Bas? Ça T'as vu personne à bandage? me fait pas rire. Yes, ma mère la pute, tu Je vois qu'il y a des. Alors déjà, toi, ta gueule, toi, fut. Maintenant, merde, pardon. Aïe! Non, pour le coup, c'était vraiment pas voulu cette fois. Ok. Dis-moi, comment Tiens. ça, je me suis fait tromper? Bah, en gros, Jack. Salut, il y a Jojo. un soir où on a pété les familles avec les Aztecas, ok? Du coup, pour Et. rendre la monnaie de la pièce, on a aidé les Aztecas à péter les Indiens. Péter les Indiens, on est allé au barrage et tout. Et en gros, avec Koff, on rigolait, machin, machin. Les Indiens, ils Salut, arrivent. En patient. gros, c'est trois meufs qui sont arrivées. Ok? Et du coup, en rigolant, il a dit ouais, regarde, je suis sûr, Je peux même pas on croiser les va bras. rester parce que. Genre, tu veux dire comme ça, genre? Merde, comme Non. ça, genre? Voilà. Et du coup, quand, en rigolant, il m'a dit rien, tu sais, on va rester parce que c'est trois meufs exprès et tout. Et regarde, tout cela, là, c'est des charros. Et tu sais pas quoi? Il avait raison, on est resté donc, genre, 1 heure et tout. Et en gros, à un moment, les trois meufs, elles sont descendues pour aller descendre. Et c'est pas Vatico avec Koff, on faisait des paris en mode ok c'est qui les plus gros charros du groupe et qui vont aller voir et qui vont aller regarder tu vois. Et ils sont tous descendus et en gros avec Koff on a vu T-Rex il a couru les voir. Génial. Mais après il n'y a pas que ça, il y a Ouais. plein de trucs hein. Y a quoi? Y a quoi? Dis, y a quoi? Ah bah après on s'est fait péter par les flics hier. Ouais. Du coup, j'ai une amende de 6 000 $. Et du coup, c'est bon, on Ouais. l'a payé. Mais du coup, j'ai plus d'argent. On a perdu 5 pistolets. T-Bone, il s'est fait péter par les Indiens. Les Indiens, ils veulent nous tuer. Nice. Là, ce soir, apparemment, on se tire dessus avec les Familiz. Okay. On a pété des Familiz Salut encore. Marilou, salut Jojo, salut. Que t'as loupé d'autres, qu'est-ce que t'as loupé d'autres. Et hier, on a fait 8 suites. Ça fait 8. trop bien froid qu'on en fasse. Ok. On a fait 8 super raids, bah c'est comme ça que j'ai mes amendes. Ah oui, et Koff il est en prison. Il est sorti hier soir, je suis allé le chercher. Il est resté en prison pendant 6 heures. Ok. Il s'est fait péter sur une bijouterie et il est allé à Bowling Brook et du coup il s'est fait tabasser la gueule. Donc ce soir ou demain on va tuer un flic aussi. Ah, carrément. Bah il l'a fracassé à mort, genre. Du coup, il a pris Encore? son nom et tout. Ouais. Mais Bah, lui, son tu surnom, vois, c'est pas Koff, c'est en fait, Bavure, il y a frère. Ben Barret qui est enculé. Ouais. Et bah, il y a ça. Et maintenant, il y en a un troisième, Jefferson, je sais plus quoi.
Nice. Mais son surnom, lui, c'est bavure, quoi, c'est. Voilà. Pas vu, hein. Non, t'inquiète. Ok, bah c'est un super résumé tout ça. Ah, je sais pas si j'ai oublié des trucs. Non, je crois que j'ai rien oublié. Très, j'ai oublié des trucs de ce qu'on a fait ou pas quand elle était pas là. Je sais pas, mais moi j'étais pas là. Merci. Ah ouais, c'est vrai. Tu veux un bandage, Brooke? Non, merci, ça ira, merci. Génial, j'adore ma vie. Il fallait me faire enculer du coup. Pourquoi? Il est où? Vous êtes là, vous me demandiez où vous étiez passé. Ouais, je lui faisais un débrief des 3 jours. Ok. Mais ouais, je crois que c'est tout, hein. Indien, je t'ai dit. Oh. Family, je t'ai dit. Aztecas, je t'ai dit. Ah ouais, Indien. Les flics, d'ailleurs, je t'ai dit. D'ailleurs, les Aztecas, faudra qu'on aille les voir ce soir aussi. Ouais, hein. C'est vrai aussi. Putain, laisse tomber. Et après, je crois qu'on est bon. Hein. Apparemment, je crois. C'est pas pour vous. C'est pas. Non, c'est pas pour vous. Ah, tu veux dire ça? Ouais, attends. Ah, c'est bon. Ok, on est bon. Ouais, ça ira pour. Vas-y, Thibaut, on doit l'attendre, il remplit un rapport, c'est les cops. J'ai oublié. Il y a Booba, il est trop gentil, attends, regarde. C'est qui Booba? Oh, Booba, ramène ton cul! C'est un mec qui aime trop la graille. Booba, viens! Ouais. Quoi? Viens, ramène ton cul, Booba! Viens, mon petit Booba! Il est trop gentil, lui, c'est le meilleur de tous les nouveaux. Ah bon? Ouais, ce mec, c'est le meilleur de tous les nouveaux. C'est Booba, il est trop okay, gentil. Mais c'est qui tous les nouveaux? Parce que pour l'instant, je vois que Booba. Il y a Booba, il y a Lily. Salut Booba, tu feras gaffe, t'as eu un message, Booba. Bonjour. Ah oui, j'ai un petit message. Et pas que t'as encore. Bon, enchanté Booba, moi c'est Ina. Non, enchanté Ina. Du coup, t'as Booba, là-bas t'as Lil B là, avec le chiffon en guise de pull. Wesley. Il y a DK, il y a un nouveau aussi. C'est la pato du bugshot, elle veut sortir avec moi. Ils parlent pas beaucoup, ils sont très en mode. Vas-y, on les bêche tout le temps. Je leur ai rapporté plein d'argent. Ah oui, oui, je vois. Voilà, c'est pour ça Booba, c'est le meilleur des tous. Oui, je leur ai rapporté plein d'argent à la patronne. Booba en plus, il travaille au Burger Shot, donc il a pas à manger gratos. Oui, j'ai plein de nouveaux. Ah, ça c'est cool ça. Non, c'est pas que c'est gratos, c'est qu'il. Nouveau, il y en a 3 du coup. Ça va être la Sophie. Ouais, des annonces, non, pas forcément, mais apparemment, tu dirais que ça. Ouais, il a fait de la merde. Là. Moi. Sauf que je lui ai dit, non, mais moi j'ai déjà Fatou. Mais peut-être que je vais dire que je la veux en fait. Et qui Fatou? C'est ta mon amoureuse. Ah, t'as une amoureuse? Enfin, elle m'aime pas vraiment, mais moi je pense qu'elle m'aime bien. Ok. Ouais, tu vois ce que c'est. Je suis dans la même situation que toi, Booba, on est ensemble. Oui. À droite pour essayer de me suivre. Mais moi je l'aime bien. Voilà, tu vois là, lui qui parle là, c'est du. J'ai dit un gros trou du cul, repars pas comme ça. Ok, attends, t'arrives. Ah, oui. Dis pas ça. Ah, bah obligé. Non, dis-lui pas ça, dis-lui pas ça. Non, non, dis-lui pas ça. Ça va retomber contre toi si tu dis ça, mon pote. Je sais, mais bon. Eh ouais, mais non, garde tes nerfs, c'est mieux. Il me dit quoi? Je te suivais pas. Je lui dis, bizarre, pourtant, t'as mangé les murs à cause de moi. Tu as mangé les murs, je suis le bar, frère. C'est un mon gars. T'as fait le book, tu sais ou pas? Pourquoi il est stressé? Yo, ça fait ça. Ça fait une heure et demie, t'es en train de lire mon mot d'absence ou c'est comment? Ah oui, il corrige les fautes d'orthographe ou quoi? Ah, de ouf! C'est pas lui qui va faire ça, hein. Oh, c'est quand vous voulez qu'on y va. En attendant, Thibaut, non, il est pointé, c'est les cops là, c'est pas pourquoi, à cause de hier, je crois. Encore chez les cops hier. Je sais pas, qu'est-ce qu'il fait? Snitch, cette pute. Eh non, mais hier, on s'était pété, trop de balles. Et c'est comme ça, hein, j'en ai rien à foutre, mais il est où Titou? Ah mais attends, bande de bouffons. Ah il est pas là. Titou, il est pas là encore. C'est pas de ma faute. Tigone, il a pété un câble, frère, il a foncé dans les cops. Eh ouais, et tu peux demander à T-Rex, on était en volant d'une félone, on l'a bien vu foncer dans le cops. Il a détruit les cops, je sais pas pourquoi. Qui? Eh, tu es pas là deux jours, c'est l'anarchie là, c'est quoi ce bordel? En gros, genre hier, mais t'étais pas là très, mais en gros, hier, ils voulaient péter les White parce qu'ils avaient la bijouterie. Gars, je vais faire péter un câble là. Ils ont été pétés par les cops et T-Bone il a foncé sur les cops qui ont pété les White. Mais genre, quand il a foncé, il a écrasé le cops. Mais c'est pas. GTS, c'est pas passé comme ça. C'est pas, il a fait une manœuvre bizarre. De base, de ce que j'ai vu, j'étais dans la voiture. J'étais moi et Dixon. On nous dit allez péter des white, donc je vais péter des white avec Dixon. On voit un white et un keuf tout seul, et le keuf est en train d'embarquer le white parce qu'il a fait la bijouterie. Dixon me dit braque-le, donc je descends, je braque le white, je lui dis monte avec nous. Le keuf il me braque, je lui dis non, c'est pas contre toi que j'en ai, c'est pas après toi que j'en ai, en gros on veut juste qu'il monte dans nos voitures. Le white monte, le keuf me crève un pneu, j'arrive à le semer, on va dans un parking.
Une fois dans le parking, bah, les keufs nous retrouvent, je sais pas comment. Du coup, on se barre en courant. Thibaut nous Merci, vient nous chercher à la Mel! sortie du parking. Il va pour Merci accélérer, mais beaucoup! Dixon tombe. Et de là, Allez, Shadow! bah, le keuf il s'est mis Les devant. gars, j'ai Thibaut, il froid, l'a pas j'ai vu froid, parce moi! qu'il. Bah, je sais pas, il a pas dû le voir. Il l'a écrasé, après C'est il ce a qu'a, let's rebondi, go, mais il pourrait Kizil! l'avoir écrasé. Un vrai, Ah, mon point avis, venu, j'avoue c'était que pas dans le feu ça. de l'action, Vous voulez à que je mon mette le avis, short bleu? Il a vraiment pas vu il l'a pour pas le vu, coup. à mon Ça se voit, avis. c'est Ouais, sûr, peut-être qu'il peut-être, l'avait hein. pas vu. Non, en Ouais, tout cas, c'est moi, vrai je que l'ai c'est vu, mieux. et pour Après, moi, il a. en Bah, fait, après, ça c'est se voit, ce il qu'il a nous a dit, reculé hein. direct, en fait, c'est pour ça. Je sais pas, je vais fumer une clope. Ta gueule, Doucement, calme. What? Je peux fumer une clope. Elle l'a dit tellement avec Du coup, entrain, on s'est limite, et moi je fait. l'ai fumé la clope. Et du coup, on s'est fait péter pour ça, Treps. Après, il y a les forces spéciales, elles sont tombées sur la voiture, frère. On s'est fait braquer par 5M4 et voilà. Ah oui, ils sont descendus, on rappelle, d'un hélico. Bah, c'est quoi. que Bah, je DM4, sais c'est pas, pas frère. Ils sont... grand-chose. Je sais pas d'où ils sont sortis, vraiment. Ok. Il manque un que DM4, ça Mais reste ils étaient pas. dans le parking. J'ai Billy surtout. Billy, il est actif. Ah, mais toi, Dixon, d'ailleurs, comment tu t'es pas fait péter vu que t'étais avec nous? Je suis monté dans le coffre. Tu vois, c'était en personne à fouiller. La fameuse technique du coffre, on la connaît bien, hein, Brooke? Ah ouais. Tu connais bien Bon les par contre coffres. il nous manque le straighter, il est passé Mais au 17h. oui, je sais pas, vous me cassez les couilles à prendre des véhicules à Mais jamais à non, en mettre plus ici. il était là. Il était là il y a 10 Comment secondes, ça mais casser on les a ramené couilles? tous les Peut-être véhicules, c'est il y en a Thibaut toujours qui est qui se parti barrent. avec, non? Mais oui, C'est mais la plus il bonne du peut... Jubilé. Soit le Jubilé, soit le straighter, il ne peut pas prendre les deux. Ah. Il est où le straighter? Bah Mais c'est qui l'ancien qui qui a le straighter alors? Oh bah, lui, il casse les couilles. Un d'ailleurs, ancien, il est s'il vous plaît. Mais d'ailleurs, il est où lui aussi? Ah, tu sais que s'il part tout seul, il se fait attraper. La vie de ma mère, je le plante. Déjà, tout court ce soir, la vie de ma mère, je le plante. C'est vrai, Et elle a raison, Mel. Si lui échoue, il vient avec moi, on le nique sa mère ce soir. Ouais, t'es ouais où faut que j'y pense ça à faire faire tout ça. Du mal, quand même. Ça va abattre si. l'ennemi. Vraiment, okay, vraiment, abattre okay, l'ennemi. C'est pas ce qu'il fait ouais, là. T'es pas prêt. Vas-y. Non. Trop ouais, de ouais, balles. Toi, t'es prêt, mais pourquoi tu prends le véhicule alors qu'on doit monter le véhicule? Bon. Peut-être là il nique l'essence, ouais, mais il moi, s'est rattrapé bêtement, on sait pas où. Mais il est parti faire quoi? Je suis sûr, rien du tout, je suis oh, sûr. Il allait pointer au poste, Tibon. Bon. Il allait voir si mais tout l'ancien, allait l'ancien. Bien. Il était voir Tibon. Ouais, ouais, il arrive. sa fille à l'ancien, si elle tombe de fou. Quoi? Ouais, c'est vrai. Quoi? Ouais. Et qui sa fille? Je t'ai pas de baisser sa fille. Le mot d'absence, tu peux me le lire à haute voix, s'il te plaît, j'ai du mal là. Ouais. Oh non. Monsieur et Madame 16 Block. Oh putain. Oui, c'est pas je, moi. Je sous-signé Mademoiselle Inaya Scott, reine de la mode et des sourires, être désolée de ces 3 jours d'absence sans prévention. En effet, j'ai été atteinte d'une atroce maladie contagieuse qui se nomme. Vas-y, dis-le en premier coup. Dis-le en premier coup. Pipirourou. Cette maladie consiste à vomir seulement des pattes, mais seulement par 3. Exemple, j'ai vomi 3 pattes. Des fois, il m'arrivait même de chier des spaghettis de 2 mètres 23 et demi. Trop stylé. Désolé, mais pour votre bien, je me devais de rester dans mon lit, manger ma soupe de couscous. Big love, Inala BG, me tape pas, tu connais. Quoi, t'as voulu les détails, hein, c'est toi tu m'as dit. Oh non, je ne foutrais. Et... Pour le coup, je peux témoigner, elle a vraiment vomi à l'appart. Ouais, j'ai coup. Ouais, et 3 pattes par 3 pattes. Ah putain. Comment c'était ça pas va, beau à voir, c'était des farfales. C'est ma gasoline là. Oh l'ancien, ça, ça dit quoi, solide, Thibaut, tu l'as vu ou pas? Je veux rentrer dans ma tête. Dans ma tête. Pas continuer. Putain. Cops, qu'est-ce qu'il savait où est-ce qu'il était? Aucune nouvelle. Vas-y, faut qu'il vienne. Mais je vais péter un câble. Qu'est-ce qu'il putain, Thibaut, il sait. Je suis trop tendu là. Ouais bah détends-toi. Parce que je suis en balle comme ça tu le détends. Ouais. Quoi? Vas-y à la rire, vas-y viens. Quoi? Attends, je suis sur ma chaise, ça fait ça maintenant frère, c'est bon, on va faire me débouler. Vas-y. Fais un trou dans mon masque et vas-y. Quoi? J'ai pas ma hachette. Merde. Putain, tu me pètes les couilles. Gros slim. D'aller la chercher, ça y est. Tu suces grave mal. Tu me mordes des ouf. Oh là là là. Ça y est, frère. Je comprends pas toute la discussion. Ah, c'est mieux qu'ils se calment les deux. Demande à ton daron, tu vas voir. J'ai l'impression que je connais moins les gens que je crois les connaître ici. Justement. Je crois pas, il est mort. Ouah, très. Je savais pas que vous. Il est mort de plaisir. Non, il est mort de plaisir. Il est mort de plaisir. Il est mort de plaisir. Chris ou Jack, son cœur, il a pas tenu. Ouais, les Indiens, ils ont chopé des Aztecas. Je savais pas que. Ok. Aujourd'hui. Bah du coup elle va la pause. Ah voilà. Attends, t'as dit quoi? Fais gaffe, on sait que vous savez, ouais.
Attends, y'a quoi avec non, les SDK, le j'ai pas tout entendu. Non, ou avec ah le oui, boss. Je faisais pute. Attends. C'est Booba, Booba là. C'est Booba, c'est Booba. Oh, Dixon. Attends, mais il parlait jure de Booba, quoi Booba, il a voilà. Il est trop en flou. Ouais, parce qu'il voilà. Est boosté, parce qu'il est boosté, c'était pour ça. Oh, Dixon, Dixon, y'a quoi avec les Aztecas là? Rien, en gros, tu vois, on les a aidés, tu vois. Là, ils ont pété des Aztecas. Les Indiens, ils ont repété des Aztecas. Ouais, mais bon, les Indiens, moi, je leur pisse dessus, ils se font vraiment chier. Ouais, mais la vie de ma mère, ce soir, les Aztecas, ils démerdent ce soir. Parce que la vie de ma mère, ils nous ont poucave. Comment ça, ils nous ont poucave? Mais c'est pas question de poucave, mon gars, je te promets. C'est Bob Dino. Une peine en autre, comme il a dit devant toi, t'es obligé de parler, mon gars. J'aurais fait la même. La tête, on dirait, elle est normale, c'est juste, elle a une tête chelou. 20 Beretta, je m'en bats les couilles. T'es un bâtard. Yeah. Franchement, salut Quentin, comment ça va? Pareil, donc t'es un bon. Bah. Jure qu'il nous Inaya Charo ce soir, en vrai, elle peut se venger, les gars. Je peux la faire se venger. Bah écoute, on verra. Attends, parce que. J'ai pas la reprendre. Que la blague, c'est pas vous qui prenez les décisions, les gars. Moi j'aime bien. Non, c'est sûr, mais. Demandez-leur des bons trucs, t'as vu, parce qu'on a perdu un Beretta à cause de... Quoi, des bons là, trucs, t'es au courant que j'ai acheté un Uzi à 81 000 alors qu'ils le vendent à 130 000? T'es au courant de ça? Qui vendait ça? Merci Birox. Bah les Aztecas. Bah tu vas, merci courant, beaucoup, deuxième mois d'abonnement. T'es au courant que j'ai accès à des gilets T3 au prix de la tablette? T'es au courant, quoi? Non, je crois que t'es pas au courant. Donc tu vois... Tu vois, c'est pour ça que j'ouvre pas ma gueule, et je vais quand même les aider. Ça, il y avait pas un freeze-up chez les SDK qui s'appelait Salazar. Fils de pute, Oh là là, salope. Ouais. Imagine, t'as le monde. Eh les gars, écoutez. Vous savez, un chien quand il est bonif, il se rappellera toujours de vous. Alors qu'un humain, tu vois, ça sert à rien. Nique ta mère. Alors, parle pas trop vite, parce que si je suis en Yves, je vais me rappeler de toi, ok? Hein? Eh, pourquoi t'as fait un cosplay de moi, Inaya? Oh putain, merde, mais. C'est quoi, on est à Jurassic. Moi j'ai fait un cosplay de T-Rex et Brook il a fait un cosplay de Beat. Putain, il a mis une capote. Par contre, Thibaut, il fait long, il doit remplir quoi? C'est une procédure. De base, il avait rendez-vous avec le plaisir. Ouais, comment ça, une fouille de fou? Regarde celui-là. Ça te dérange pas. J'aurais bien sur les deux jambes. Ouais, je crois bien. C'est une toute petite corne au-dessus du sapot. Nickel, bien vu. Ah, il est voilà. Là. Nickel. Mais wesh, mais pourquoi? Pourquoi tu cries comme ça, mon gars? Je sais pas. Oh putain. Oh, c'est bon. T'as été poucave tout le quartier ou quoi? Jamais de ça. Ouah. Mais de la vie. Vas-y, carré. Bon, ils m'ont dit quoi, les familles? Ils m'ont dit. Ah, Booba, viens, ça viens. Ça m'a tiré aéroport de Grapsi, je crois. Hein 11, on est. Grapsi, c'est bon. Booba, là, ouais. Booba, il arrive. Tu connais quoi? Derrière quoi? Il est. T-Rex, il est en face de moi là. Radio, avec la. On va déposer la radio, on va déposer la radio. Faut se pétarder ou pas? Ouais. Toujours. Du coup, on a fait un trade. Déposez les radios, s'il vous plaît. Inaya, ta gueule. Fin de service. Ta gueule. Je vais t'enculer. Bah ouais. Mais retire, arrête de faire un cosplay, s'il te plaît, Naya. Quoi? Mais toi, je vais t'enculer, hein. Naya. Ouais. T'es là demain? Oui, je suis là demain, pourquoi? T'es là après-demain? Ouais. Ok. Allô? J'ai la défense. Vas-y. Pourquoi c'est bien gaffe à toi. C'est quoi cette histoire? Mais on est où là? Ah, ça fait péter un câble. On est au quartier, pourquoi? C'est vrai, alors. Mais c'est qu'on est au quartier. Vas-y. Ah, bah, c'est pas tellement. Je te réponds, hein, c'est sympa. Vous préférez que ça tire aéroport dans le nord ou dans le sud? Aéroport du sud. Dans le sud, cousin. Ouais, dans le sud, normalement, je crois. Pas pour un territoire qui est dans le sud, pourquoi qu'il faille dans le nord? Ouais, ta gueule, par contre. Attends, mais attends, je comprends pas. Comment il te dit, ouais, choisissez, on est où là? Mais non, mais je sais pas, en fait, c'est pour les flics, justement. Et la BCSO, ils sont trop vénères. Plus fort, parle plus fort, l'ancien. La BCSO, ils sont trop vénères, mais les LSPJ, ils sont tous là dans le poste de police. Hein. Je sais pas, c'est la merde, apparemment. Dans le sud. Le sud, il y aura plus de cops. Ça me dit rien, Tom. Comparé dans le nord, tu vois, on a de quoi s'échapper, tu vois. Salut, Captain. Si on. Les gars, j'ai les mains gelées. Tu t'es pris pour le roi lion, quoi.
Il m'a tiré dessus, ok, ok. Levez tous la main ceux qui veulent tirer dans le sud. Et vas-y, on va où vous voulez, les mecs. Pourquoi on peut tirer? Est-ce que ça va tirer là? C'est pas, ils ont appelé T-Bone. Et levez les mains pour dans le nord. Vas-y, on va où vous voulez, les mecs. Où vous voulez en fait? Ouais, mais personne, y'en a, ils votent pas là. Moi, j'ai voté. Vas-y, on monte dans le nord comme ça. Attends, je le refais une dernière fois. Levez tous les mains, s'il vous plaît. Dans le sud, aéroport du sud. Fou, je sais pas, ouais, je m'en fous. Vas-y, on va dans le nord. Je suis comme Boba, m'a pas dit couilles. Non. Ouais. Vas-y. Mais faut du tout, gros. Mais y'en a, non, mais c'est bon, aéroport du nord, c'est bon. On était que 4 pour le sud, donc c'est bon. Envoie les gilets. Moi j'en ai un, moi, sûrement. Ah, je vous jure, je demande pas un Tech 9, juste un gilet, les frères. Mais comment ça, on n'a pas des gilets pour tout le monde. On ira après, t'inquiète, on ira. Dixon, tu fais quoi? C'est quoi cette tenue? Oh, ce qu'il alors, fait, lui, l'homme d'affaires. Oh, dis-moi, hey, vous voyez Thibault, c'est trop, là. T'as pété un câble, toi. Exactement, j'ai clairement pété un plomb. C'est ma gasoline. Calme-toi. Je veux rentrer dans ma tête, mais je veux pas continuer. Ta gueule. Voilà. Et toi, ta gueule. Toi, ta gueule. Espèce de gros charreau de merde. Oh, j'ai mis une nouvelle, sonnerie de Bigot hier. Vas-y, mets là. Écoutez, c'est pas si vous pouvez l'entendre. Attends. Vous l'entendez là? 54. Vous l'entendez pas? Ah bah attends. T'as quoi dans la main? Coup dans le sud, hein, c'est bon. Vas-y. Mais non, dans le nord, on avait dit. Dans le sud, on s'en fout. On s'en bat les couilles, en vrai. Dans le nord. Tu es un peu T-Bone, tu nous fais voter et après tu nous dis le contraire. Ah, mais moi, je comprends pas ça de. Frère, mais t'as tenu une guerre, frère. Mon gars, c'est tout. Et là, maintenant, moi je la mets. Hein. Pro gamer. La guerre, elle est là. Tu peux y aller. Faites bien contre la Gégou, les gars. Attends, mais on a combien de gilets en tout? 8. 8. Non. 8. Mais moi, c'est pas de tenue. Je sais pas. Moi, j'ai. Moi, ça va dans le nord. Mais moi, j'en ai pas. En vrai, ceux qui tirent le mieux, prenez. Mais il m'a dit c'est au mérite, il veut pas que j'en prenne, wesh, il est fou. Non, T-Bone a dit c'est au mérite, il a dit T-Bone. Ah oui, bah là, non, j'en ai pris un. Toi, t'en as un, l'ancien tireur, tant pis. Oh non, j'en ai pris un, tiers. Eh, le sud, c'est bon. Au nord. C'est dans le nord, oui. Oh, putain. Eh, prenez tous les chops, on se bat. On s'en fout. Eh, vas-y, je vais. Bah attends, il y a encore 3 gilets, prends les gilets. Attends. On a pas fini de distribuer les gilets, boy. Je sais pas, prends une voiture au pif. Vas-y, remplissez un peu. Eh, bougez tous là, avancez tous vite s'il vous plaît, prenez trop de temps, frère. Ouais, attends-moi. Je vais t'enculer, hein. Tu vois bien que je monte. Il crie que quand il est parti. Venez en dessous du parking. Dans le jubilé, y'a personne dans le jubilé. Arrête-moi, je vais monter en jubilé. T'es pas seul. Et JK, frère. Il est tout seul dans le jubilé, wesh. Oh, pro, il panique. Venez, on va dans le. Étendu là, il est tendu ce soir, c'est quoi ce bordel? Ça va tirer, il est tout en panique. C'est rien. Pas, je sais pas. Je crie jamais d'habitude, frère. Bah ouais, c'est ouf. Ouais. C'est quoi cette lampe panique là? Direct sud ou nord? Nord. Sud ou nord dans le nord? On avait dit nord, c'est bon. On y va dans le nord, okay. C'est bon. Oh, nord dans le nord, c'est bon. C'est toi le bon dans le nord, bref. Écoutez, ouais. Du coup, ouais, personne qui veut a un gilet là? Moi. Oh, j'en ai un. Je suis mitigé entre les deux, mais je préfère le nord aussi. Je crois, Dixon. Ok. Ouais, parce que là, je pense que c'est moi qui va décider. L'ancien, t'en prends un. DK, t'en prends un. Trey, t'en prends un. T'en as déjà un, de toute façon. Ouais, j'en ai un. Qui d'autre? De toute façon, il en reste plus que 3. Lilby, t'en prends. Ouais, Lilby, bah, il en reste plus 3, du coup. Faut que j'en reste un peu que 2. Lilby, t'en as un. Lilby, t'en as pas? Ouais, j'en ai un. Il en a un. Non, bon, bah, les personnes. Quoi? Des fois, on peut plus offrir comme Tom. Moi, j'en ai un, moi. Ils m'ont dit, c'est vous, vous voulez prendre le Chamberlain, donc ça va se faire dans le sud, les frères, obligé. Vas-y, on s'en fout. En vrai de vrai, c'est plus stratégique parce que là, dans le nord, y a pas. On aura que des chops pour se protéger, tu vois. C'est où les gilets pare-balles, s'il te plaît? J'aime trop cette musique là aussi. Vous avez tous les gilets? Jason, t'as pris tous les gilets ou pas? Non, je vais aller les récupérer. Prends la chop et récupère tous les gilets qui restent, s'il te plaît. Vas-y. Viens voir. Après, les gants, fais les chops aussi. Trey, tu viens avec moi. Les boys, mettez des. Faudra mettre un peu dans les coffres, non? Oui, je sais pas, quinzaine de balles dans le chat. C'est qu'on les îlets là, vous... on les met déjà ou pas? Non, après. Tu comprends ce qui se passe? Trey, tu viens avec moi, on prend qui d'autre, Trey?
Moi je suis chaud l'Indien. Rangez tous vos armes et dernier truc. Hein? Les flics sont là. Ils sont au-dessus. On a rien à se reprocher de toute façon. Enlevez vos masques. Attends, je voulais dire quoi putain? Il manque une radio dans le truc. Bah hier, hier on en a perdu non? Mais attends, il passe où lui? Oui, oui, oui. Ah ouais. Mec en Felon, je pense à qui? C'est en Felon, ok. Dépose ta radio, s'il te plaît. Mais il y a combien de radios dans le coffre? On a 4? Bah vas-y, c'est bon alors. Vas-y, vas-y, bah viens avec les 3 gilets qui restent. Tu prends des balles, on met des balles dans les coffres, Timon. Ah, Timon. On prend beaucoup sur lui, hein. Quand faudra mettre les gilets, tu vas le dire ou pas? C'est comment? Les gilets, vous les mettez quand vous descendez des chops. Ok, attends, 3 personnes qui mettent leurs balles dans le coffre. Ils ont récupéré après. Mais Dixon, il va prendre plein sur lui. Attends, moi je vais mettre mes balles dans le. Moi j'ai des balles de mitraillette, je vais prendre des balles d'AK. Je prends le gilet. Il y a pas d'AK. Si c'est moi, j'ai l'AK. Je prends le gilet. T'as l'AK? Je comprends rien ce qu'on fait, les gars. C'est en train de me saouler. Il y a tout le monde qui est vénère et moi je suis là, je comprends rien. Je l'ai passé à Lidby le tech. Les gars, venez tous ici au milieu. Trois qui montent avec moi, on va mettre les munitions dans les coffres. Bah vas-y. Prenez le striker et la primo. Et bah je prends la primo. De toute façon, faut que je prenne un gilet. Vas-y. Je sais pas. Et c'est même pas ce qu'on va faire, il y a tout mais le monde. Mais je sais même pas pourquoi ils veulent aller tirer, genre. Mais ça sert à quoi le but d'aller tirer là? Pour récupérer Chamberlain. Oui, mais enfin. Bah, en gros, si on gagne, on a Chamberlain. Si on perd, on l'a pas. Ok. Mais enfin, je dis, mais les gars, ça se passe pas comme ça, genre. Mais vu comment tout le monde a le string tendu là, enfin, non, j'ai envie de te dire. Genre, c'est quoi? C'est genre, on les appelle. Coucou, bah aujourd'hui c'est la dernière fois qu'on se bat et voilà, si on gagne, bravo, si on perd, bah tant pis. Et si demain il se réveille et dit non? Bah je comprends pas. Vous voulez tirer où? Dans le nord ou dans le sud? Ouais, genre vraiment, tu préfères où Tibone? Tu préfères dans le nord? Si ou soit tu préfères crever, tu préfères être dans la pelouse ou dans le sable? Frère. Ah j'ai pas compris vraiment. Moi j'arrive là, je suis pleine d'ambition, j'ai dégueulé 3 pattes et d'un coup t'as un T-Rex, ça y est, tu veux tirer où? Je savais pas que T-Rex il se faisait sucer par trait. J'ai pas vu T-Rex. Bah écoute, on a plein de choses qu'on sait pas, hein. Fréquente des ans de jour en jour. Ouais, là. Après, les ans ils te draguent, après, les ans ils te mettent avec toi et t'es pas au courant de comment ils se sont mis avec toi. Et après, ils s'arrôtent des meufs et après, ils se font sucer par des potes. Mais bon, tranquille. Oh. C'est la rue. Tant pis, hein. Je vais retourner s'arrôter mes seins. Ça vaut plus le coup. D'ailleurs, Rourou. What? Oula, c'est plein d'a... Quoi? Attends, pardon. C'est quoi ce t'appel? Bobby? Et si je vous dis un truc, vous le gardez pour vous? Ouais. En fait, il y a longtemps, avant que je sois dans ce groupe-là, tu vois, quand je traînais avec les ballasses, ouais. J'avais un ami chez les Families. Moi, j'étais pas dans les ballasses, donc on m'en battait les coups de leur guerre et tout. Mais je m'étais fait grave un pote qui s'appelait Bobby. Mmh. Mais je pensais qu'il était mort. Et là, il m'a appelé il y a 2 jours. Sauf qu'on doit les défoncer. Il est toujours family? Bah, bon, c'est rien. Bah, écoute, tu verras bien si tu lui tires dessus ou pas tout à l'heure. Hein. Si tu le reconnais non, loin. Bobby! Faut pas mourir. Mais toi, t'as pas de chance. Tu vas à chaque fois avec les groupes où ils sont en guerre, genre. Après, c'est parce que c'est une fille grave sociable et que tout le monde m'aime. Mmh. Attends, lui aussi il m'a appelé. Pourquoi il m'a appelé, lui? Au minimum, quand on appelle une personne, c'est quand t'as rappelé, tu réponds. Enfin, si t'as appelé il y a 48 heures aussi. Hein. Oui, bon, c'est un détail. Voilà. Et sinon, nous, on est les punis du groupe. Bah, je peux même pas comprendre, en fait, ils sont partis. Mais choix, ils vont nous oublier. Bah, il y a moyen, hein. Bon, bah viens, on fait grève. Merde. Voilà. Rigole, mais je crois qu'il a vraiment raison, c'est ça le pire, genre. Y'a moyen qu'ils viennent jamais, là. Et ils vont nous oublier, après ils vont nous gueuler dessus. Ah bah c'est leur faute, hein. M'en fous, hein. Alors moi je m'excuse tout le temps, je fais des mots d'excuses tout le temps. Alors là, c'est pas ma faute. Ah ouais, j'ai vu. Love approach here.
Elle me crie non, pas si c'est pas moi. Non, là on stresse trop, ouais. C'est où les voitures? Ah, merci. Heureusement qu'ils sont là, mais enfin, heureusement okay. qu'ils sont là. C'est quoi, je dois faire un minimum de trucs, genre? Ouais. Arrête, tu me fais stresser. Non, un minimum, c'est que tu tombes pas. Ok. Nice. Les techniques, si tu veux. Bon, c'est quoi les techniques? Je vous explique le topo. Ouais, faut que tu cours. On va y aller à l'aéroport. Ouais. Une fois qu'on est vers l'aéroport, ça commencera direct. Ils tireront au premier 16 qui verront. Donc, c'est pareil. Au premier familis que vous verrez à l'aéroport, vous lui tirez dessus. C'est bon ? Vas-y. Ça allume le feu. Direct ? Ouais, direct. Non, on leur dit même pas bonjour. Faites pas les cons qui se mettent. Pas poli. Enfin, à découvert. Restez derrière les chopes, mettez les bien en position. Et les gars, je suis dans la merde, j'ai pas réglé ma sensi encore. Ouais, mettre une équipe qui va venir pas derrière, ok les gars. Je vais pas leur dire si vous voulez me faire niquer encore. Et je prendrai deux personnes, ou une. Je prendrai Straighter, je me mettrai par derrière. Moi j'ai déjà une équipe pour la primo. Ouais. Mais sauf que vous serez au front directement. Un truc, Straighter, j'ai Billy ensemble. Parce que j'ai actuellement la cage, je passerai derrière eux. Et toi, il faut que tu passes derrière si t'as la cage. Moi, vu que j'ai pas de zilet, faut que je vienne derrière. Tu viens avec moi, toi. Et bah, bref, c'est tout. Faites votre truc, les gars. Moi, je vais aller. Au fond, éloigné, ok. Deux, ça suffit dans le bac. Ouais. Je vais prendre un moteur. En fait, il faut des bons tireurs dans le bac, Wesley. C'est ça le problème. Prends l'Indien avec toi. Ah, mais moi, j'ai pas de zilet, mon gars. Eh, prends l'Indien avec Watt. Indien. Si tu veux, mais moi, j'ai pas de zilet. Lilbi. Attendez, par contre, j'ai mal à la cheville. Y'a personne qui a un bandage, mais pourquoi j'ai un. Je t'ai donné un bandage. Bah oui, bah je sais. Mais moi, c'est où tu veux, de toute façon. Je comprends pas pourquoi. Dès que vous voyez les familles, vous mettez vos gilets juste avant de sortir de la chop pour tirer. C'est bon. Pourtant, je l'ai mis le bandage. Bien, s'il vous plaît. Merci. Merci Noam. Bienvenue. Qui a besoin de dernier truc, qui a besoin d'un bandage. T'as besoin de soins là. Moi, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Personne. Bah, je suis pas bien, mais je suis pas. Bah, prends-en. Là, un bandage, quoi, c'est un peu trop, non ? Non, prends. Pour un bandage. Okay, je me dis que Booba il y pense tout le temps. Faites vos équipes et n'oubliez pas vos équipes, s'il vous plaît. Vous n'allez pas dans une équipe de l'autre à part. Et comment on fait notre équipe là? Parce que moi. Moi je suis dans quelle équipe? Moi j'ai le Straighter, viens dans le Straighter. Pas le Straighter, Link. Oh là là. On dirait pas qu'on est les derniers à être choisis comme à l'école. Ouais, ouf, je me sens pas trop flatté là. Bah surtout moi, au sport on me prenait pas. Moi si c'était pas sport. En fait, j'ai jamais été à l'école. Salut à Xorix, j'allais dire Abzorix. Comment ça va? Je vais où? Deux dans la Buffalo et trois dans le Jubilee. Bah, une petite canette. Deux dans la Buffalo et trois dans le Jubilee. C'est qui prend le Jubilee? Ok. Montez, on s'en bat les couilles des équipes, des personnes qui a qui. Montez dans les chops. Attends, laisse-moi juste. Intelligent, les gars. Pétard. Intelligent. Tous mes paroles à la main, s'il vous plaît, merci. Salut, pompier. T'as dit quoi, Ina? Non, y'a pas de radio là, on va sans radio. Vas-y, c'est bon, on suit qui? On suit le. Je me sens mal à l'aise, y'a beaucoup de cris. Moi, je vais y aller dans leur bac, donc à l'aéroport, on se passera, c'est bon. À l'aéroport, on se passera. Je comprends pas le but de la scène, juste de gunfight. Ouais, mais t'as compris. En fait, c'est pas une scène de ouf, ça pue la merde de juste gunfight. On a ton calibre sur les jambes, mais bien. Ah, vas-y, c'est ok, tu m'en sers un peu. Je vois que t'es bien, tu descends. Essayez de rester pas quelqu'un. Je pense qu'ils seront tous avec un T3, donc faites gaffe. Bah, bien sûr qu'il manque à Ina, mais elle le dit pas. Je préfère ne pas rouler en convoi en fait. Bah, je comprends pas pourquoi on fait ça. Genre, je veux bien qu'on fasse. Genre, qu'à la longue ce soit chiant, mais faut qu'il y en ait un qui cède pour les scènes et. Faut qu'il y en ait un. Dans l'équipe, apparemment, il y a un fort, genre. Moi, j'en ai pas. Ok. Y'a que moi qui mais, en a. Y'a que moi qui comprend pas pourquoi on doit tirer à vue comme ça là. Tirer à vue, en gros, je t'explique, ça fait. En fait, pendant que toi t'étais pas là, on a redéclaré la guerre aux Families pour Chamberlain. Okay. Et là, ça va être le truc final, en gros, on va se taper contre les Families pour récupérer Chamberlain. Attends, faut attendre les autres là. Ok. Attends. Ça marche? Bon, moi, je compte sur toi, Ena. C'est que t'es forte. Ouais. Ouais, t'es forte. Hein. T'es ma championne. Ouais, c'est championne, mais j'ai un peu peur, t'avoue. What? Pourquoi on vient ici?
Bah faut pas hésiter et Kizil GG, ça c'est bien, faut pas hésiter. Merci Samcot. Vous restez près de la chope, pas trop loin. Dixon, t'as ta ceinture ou pas? Ouais. Ok. Oh là là les gars, j'ai pas fait de gunfight depuis 6 ans et demi, je vais tirer comme une merde, j'ai pas de sensi. Et ils me font ça là, putain. Quand je reviens, genre. Vous attendez pas un combat de ouf venant de ma part, hein, je vous le dis direct. Vas-y, Thibaut. Sur un forum ou à l'aéroport. Salut, la Primo. Ah, ils sont. Ah non, ils sont là. La Primo là. Je reviens au front. Ils sont où? Ah, elle est derrière. Ah, c'était passé, hein, toi, pour le mec. Passé, passé. Ça se trouve, on va mourir, hein. Vu, ça se trouve, je me prends une balle, je vais mourir RP, les gars. Ils sont devant, les gars, frère. Les gars, il y a de grandes chances pour que on. C'est vous, gilet. Vous, gilet, tout le monde. Ou je me fasse coucher, hein, je te le dis. Hein. Ils sont en train de sortir. Ils ont fait les pneus. Vas-y, vas-y, laisse-moi te sortir. Laisse-nous sortir. Arrête-toi. Ok, vas-y, tout le monde, gilet. C'est trop chaud la sensi. C'est trop chaud la sensi. Putain, attends, ils sont où ta mère? Viens avec moi. C'est avec nous? C'est pas. C'est avec nous? Non. Putain, je le touche, mais c'est trop dur, les gars. C'est chaud, les gars. Je sais même pas s'il est avec moi, lui. Je vois pas les couleurs. Je suis pas découvert. Je suis pas couvert là. Je sais pas s'ils sont contre moi ou pas, eux. On y va, trop risqué. Bien. Vas-y. Suivez-moi. On va faire le grand bac, ils sont encore nombreux. Ah ouais? Ah ouais, et je crois qu'on a perdu la cache, je suis pas sûr. On aurait dû prendre des radios, c'est con ça. Y'a le Jubilee, viens. On va faire le grand tour, c'est bon ou pas? Vas-y. Montez vite. Péril le collègue. Il y a pas moi. Vas-y, on a un camp, putain, j'ai pas pu l'enculer sa mère la pute. Je trouve que vous êtes vas-y, descendez. Vas-y. Vas-y les gars, venez, on part, on rappelle à gauche, attends. Tu vois. Là, il y a les flics là-bas. Il y a les flics. Eh, je suis pas tombé les gars, alors que j'ai pas de sensi, hein. J'ai couché la cave, ouais. Non mais je crois qu'il avait plus de balles dans la cage, je sais pas, il est passé au Beretta, non, quand il me tirait dessus, mais il avait la cage au début. Vas-y, Ina, tu me suis. Vas-y. À traverser, ok. Putain, je pisse le sang, j'ai joué. J'ai eu l'impression d'être sur CS là, en 2-2 là. Et le combat de la mort avec le mec, ça a pris 20 minutes, wesh.
s'est tiré dessus pendant 20 minutes, quoi. C'est nop. Mais j'ai aucune sensi déréglée, les gars. Bonne nage, merci. Bah, ça fait du bien. Écoute, on se lave la plaie, hein. Imagine Brooke qui meurt. Les gars, je sais pas vous avez vu ma tête quand j'étais en train de gunfight, mais vraiment, j'étais concentrée de ouf pour essayer de viser et de contrôler ma sensi que j'ai pas du tout réglé. Je sais même pas si elle est rapide ou lente, genre y a rien qui va. Brooke est mort, vas-y tais-toi toi, ferme-la. On va aller où il y a le bateau, ok? Vas-y. Ina? Ouais. Naya? T'es pour moi? Ouais, excuse. Vas-y, Naya, vas-y. Je te réponds en plus, mais c'est parlé tout bas. Ok, tranquille. Ouais, j'en ai couché un, mais. Ouais, je m'en suis pris une. J'ai juste un. T'as des bandages ou pas sur toi pour. Non, c'est rien. Ça m'a pris mon couteau. Parce que moi je me connais, je vais retomber. Mais je sais pas, en fait, il était à la K, oui. Ça, c'est sûr qu'il était à la K. Il a tué Wesley à la K. Mais je crois que face à moi, il n'était pas à la K. Il n'était pas au Beretta face à moi parce qu'il tirait balle par balle. Ou alors, il galérait parce que j'étais trop près de lui. J'en sais rien. Faudrait que je regarde ma rediff. Juste pour voir ma tête de concentré déjà qui essaye. Vraiment, j'ai compressé ma souris comme Jaja, les gars. Vous vous rendez pas compte? Il était à la K? J'ai couché la K, les gars. Mais il est nul à chier. Ah non, mais s'il n'était pas... Quand tu recharges, je vise plus. Il a changé d'arme. Ouais, voilà, c'est ce que je me disais. Non, ah, parce qu'il aurait été nul à chier de tirer une balle par balle. Puis j'étais tellement dans le truc. Et qui est... C'est pour ça qu'à la base, je voulais pas lui tirer dessus parce qu'il avait la cage. Je voulais qu'il soit de dos. Il est où? Ok, vas-y. Vas-y, nous, on est en bateau, donc. T'as des nouvelles des autres? Allez, on y va. Quelle merde. T'as des nouvelles des autres? Bah écoute, je crois que Thibaut est tombé, Lilby est tombé. Là, je crois qu'on est que 4. Et Brooke? Tombé aussi. Putain. Direx. Tombé aussi. T'as juste regardé un truc. Bah c'est elle a demandé Brooke direct hein. Forcément. Oh là 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 là, ça m'énerve. T'as aussi en couché un, toi, Ina? Ouais, j'en ai coussé celui qui avait la cœur. Non, vraiment? Ouais, bah en fait, il est. Genre, j'ai attendu qu'il tire ses balles. Et dès qu'il était de dos, j'ai tiré dessus. Et du coup, le temps qu'il prenne son gun. Tu l'as vraiment fait tomber, genre? Oui, je l'ai fait tomber. Attends, mais j'appelle les autres tout de suite. Mais quoi? Et en plus, je peux te dire que j'étais pas prête. Mes bras, ils ont pas tiré depuis très longtemps. Tomber le gars avec la cœur. Un crack. Un crack et tout, j'ai joué.
C'était sûr. Mais non, mais il y a aucun mérite. Allez, attends, nous, on est en bateau. Je crois que je vais aller chez, les Aztecas. Tu casses les couilles, ce chat de merde là. Quoi? Hein? Ah, tu parles du chat, c'est le truc là qui arrête pas de miauler depuis tout à l'heure. Ouais, le... ouais, un chat. Ouais, sur le port là. Ouais, ouais, putain. Casse les couilles. Titou, bah Titou il est pas là ce soir. Du coup, toi t'en as fait tomber un. Moi j'en ai fait tomber deux. Train en a fait tomber deux. Ouais. Ouais, quand même beaucoup, hein. Je suis pas sûr, mais je crois que Wesley il en a fait tomber un parce que t'étais avec lui. Après, il est tombé et après, j'ai fait tomber l'autre. Ok. Vas-y, viens sur moi. En vrai, j'étais alors, tellement en tryhard, je voulais tellement pas qu'il me fasse tomber. Vas-y, j'avais le jubilé avec le PT. Je sais pas pourquoi ils t'ont pas suivi. Ouais, c'est pas grave, ils sont partis, ils sont safe comme ils disent. Je sais pas si j'en ai fait tomber deux ou un, je sais plus. Ouais, peut-être au début, je sais plus. Non, je crois que j'en ai fait tomber qu'un. Au début, je sais que j'en ai touché, mais j'en ai fait tomber qu'un, je crois. Hep, 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 hep. Oh, j'en peux plus, j'en ai marre. Bonsoir, je reviens d'une fusillade. Bonjour. Lola. Ah, putain, la merde. Attends, on était 11, il y en a que 4 qui sont debout. Oh là, on est marre. Quoi? Fusillade contre les plus étonnant, c'est que moi, je suis debout. On les a cassés le cul, c'est bon? Non, je t'explique, on a deux hermanos à nous, ils sont chez les Indiens, on doit aller les chercher là. Ah, ça c'est moins fun. Mais depuis hier, là, ils nous demandent un rompo plus 70 000, c'est des fous furieux, là, de ma mère. Quoi? Mais c'est des fous furieux. Ah ouais. Mais écoutez, on va leur faire leur cul. Juste, y a moi que tu me gardes ça. Vas-y, on va juste le mettre dans l'entrepôt. Tu me gardes ça, s'il te plaît, je te passe les munitions aussi. C'est quoi qu'il y a donné? Ah, c'est pas là. Mon mini-usé. Non, tu me les as donné à moi. Ouais, c'est pas celui-là. Ouais. Et pouvez me sortir une chope ou un truc comme ça, les gars? Attends. Je crois qu'on a plus rien dans le garage, je crois qu'on a que des primos basiques. Ouais, je m'en fous, ça me va, tu vois. Arrête de bouffer mon câble, toi, là. Ah mais oh, ah, oula, oula. Alors, je sais pas ce qui c'est qui te bouffe le câble, mais tu vas te détendre. Ah ouais. Avec attends. Mon câble. Oh là là. Oh, mais on veut pas savoir qui c'est qui te bouffe le câble. J'ai pas envie de savoir, clairement. Elle est trop belle, de ouf, j'aime trop sa coupe. Bon, du coup, vous les avez atomisés, les familles, alors. Bah. Alors là, c'est... je sais pas comment ça s'est fini, hein. Ah, c'est tout ce qui me reste, hein, comme coaché. Ouais, laquelle elle est où? La là. Ouais. Vas-y, nickel. Je te remercie, André. Je te... Merci beaucoup. Écoute, il faut que je te fasse t'inquiète. Pas mal de commandes ce soir. Mais écoute, tu me dis ce que t'as, et je vais te passer de l'argent en plus. Parce que là, je vais pas mentir, j'ai pris un Beretta hier. On a le problème déjà avec les autres et on se rappelle, d'accord? Vas-y, dis, mais sinon, je vais les péter aussi les autres, mais peut-être demain, genre. Par contre, faites attention, ils vont certainement vous tomber dessus. Ouais, on verra. Vas-y, ciao. Faites attention, ciao. Ciao. Et moi, j'ai toujours mon Beretta. Hmm? J'ai toujours mon Beretta sur moi. C'est quoi ce truc à gauche là? Putain. Un quartier ici? Je sais pas. Salut Phoenix, comment ça va? Ouais. Trahi, dis-moi une question, l'ancien il était avec toi, non? Ah, l'ancien, je crois qu'il s'est fait rafale. Ouais, dis-moi une question. Comment dire? Ina, un, moi deux. Toi, t'en as fait tomber combien? Deux, ça fait cinq. L'autre, sept. On a gagné? Si. Oui, ils étaient plus, mais nous on s'en fout. Infériorité numérique, ah, vous êtes où? Vas-y, on va poser le Faritas. Faritas. Vas-y. Ah, ouais. Ouais, tiens, allô, Brooke, ça va? Allô?
Adou. Ah non. Monte, 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 monte. Allez, on y va, on n'a pas le temps. Ah, ça va. Bah. Avec moi. Avec lui, bref. Mais tu m'as dit de poser. Mais c'est pas. Tu m'as dit de poser Beretta. Je sais pas, tu m'as déposé devant chez moi. Ah, c'est devant chez toi ici. Bah oui. On dépose ça ici. Vas-y. Attends, bon, ça va. Ah ouais, ça va. Tu te poses des questions s'il a réussi à toucher quelqu'un. T'as réussi à toucher quelqu'un? Ah ouais, j'ai tombé leur OG. T'as tombé le OG? Ok. Ouais, le OG, je sais plus comment il s'appelle, là, il est à côté de moi. Ok. Voilà. Okay, donc, c'était une vision très... On va dire que là, il y a trois familles avec nous. Ok. Voilà. Pourquoi? Bon, je te rappelle plus tard, hein. Vas-y, ça marche. Bon courage. Ah, c'est Dickey. Il a couché le OG. Ok, bah écoute, Brooke a couché le OG. Donc je pense que... Bref, on verra. Vas-y, quoi, on y va. Attends, je rêve ou la portière vient de s'ouvrir là? Ouais, oh ouais, non. Ina, je t'aime, c'est bon? Juste pour ce que t'as fait ce soir, c'est bon. Merci. Quoi, merci, hein. T'inquiète, c'est de la chatte, hein. Ouais, c'est de la chatte. Ouais, c'est de la chatte, frère. Si tu veux, j'ai même pas réglé mes poignets comme il faut, si tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment de la chatte. Mais j'aimerais bien voir ça, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, t'inquiète. Frère, vas-y. Heureusement qu'on est pressé, hein. Heureusement qu'on n'est pas attendu. Ah, c'est ça, hein. Apparemment, on a gagné. Salut Boubou, merci beaucoup pour tes 5 bits. Ça va, toi? Allez, viens. Ouais, bah écoute, ça va. Hein. Bien. Ouais, enfin... Je veux bien, hein. Ah, voilà. Ouais. On doit aller chercher un véhicule, il y en a un devant. Doucement, à la marin, à la marin. Attendez, tranquille, prévôt. Ouais, dis-moi. Ouais, tranquille, t'as les familles, pissez dessus, c'est bon? Aéroport, oh. On leur a pissé dessus. Dieu, allez, vous êtes qui? On est 16, tu ne connais même pas. Vous l'avez pissé dessus, vous l'avez tiré dessus? Ouais, on a fait une fusillade, ils étaient là à 3 AK, je jurais. Ah, même la meuf, elle a couché la meuf. Non, laisse tomber, des cracks. Ouais, vas-y, vraiment gros. Ouais. Ok, vas-y, bah force, hein. Bah, vas-y. C'est bientôt contre eux que je vais prendre leur terrain. Du coup, on va les enculer. Du coup, j'ai te demandé de faire de descendre le gars avec la carte à capter. De quoi? Non, c'est bon, attends, attends, deux secondes. Ah, ouais, je sais pas, mais il y avait les flics. Allez, on va réussir, vas-y. Allez, monte. Nickel. Blague nulle, mais qui passe. Ça va être aux fautine. Bon bah dinguerie hein, mais j'étais tellement focus, ça me fume, parce que genre je suis jamais sérieuse, mais quand il y a un truc comme ça, je me concentre comme si ma mère elle était en jeu genre. Vas-y. Non, je suis avec Ina là. Et vous êtes... Hein? Oh, je vais l'enculer. Hein? Et son chaton qui le fait chier. J'ai avec une gestion, attends, on vous rejoint. Et du coup, Brooke il est tombé? Ouais, il est tombé, ouais, mais il a fait tomber l'Oji, Mati. Trey, go s'installer un chambellan, vas-y go. Ah bon? Encore bah le petit chat, ouais, je pense que c'est ça. Frérot, on était combien? Ouais, moi, j'aime poser là-bas. Hein. Mais du coup, là, si on a gagné, ils feront plus fièvre. Enfin, pour moi, on a gagné. Parce qu'en fait, le souci, eux, ils étaient plus que nous. Ouais.
9 chats, putain, c'est 9. C'est beaucoup, 9. Ça doit être du boulot. Et c'est où tout le monde, tout le reste? Ils sont devant. On monte avec vous, arrêtez-vous. On monte avec vous. Vous êtes combien? On est deux, vas-y monte. Allez, Goina. Un dada, putain! Ça doit être tellement du taf! C'est trop. Allô, vous êtes où? On est en voiture. Bah, je suis au quartier avec Madame Erza, elle nous a ramené les véhicules. Madame Erza vous a ramené les véhicules? Elle est trop gentille, elle. Ils sont au quartier, tout le monde. Tout le monde, y'a que toi ou y'a tout le monde? Non, y'a que moi et Madame Erza. Y'a que toi? Ouais, mais là, elle m'emmène à l'hôpital, du coup. Ah, t'emmènes à l'hôpital, pourquoi? Bah, ils m'ont oublié, en fait, à l'aéroport. Ah. Ils m'ont oublié, du coup c'est Madame Erza qui m'a récupéré. Et du coup bah elle vous a déposé le straighter à côté de la voiture à Stekas. De quoi? J'ai toujours le pare-balles. Une voiture à Stekas. On a toujours les pare-balles et tout. Ok, allez les déposer. Avec Dixon on a été chez eux pour rentrer. Bah Madame Erza la récupère du coup. Alors, vous êtes là non? C'est vous? Madame Erza? Ouais. Vous êtes la meilleure, je vous aime. Je sais. C'est que c'est vraiment la meilleure. Bon, elle te ramène au quartier et tout, c'est une baronne de fou. C'est ma meuf, je t'aime. Je t'aime bébé, je t'aime. Oui, alors celle-là elle est compliquée à prendre, c'est pas, elle est pas très compliquée. Allez, elle part en fourrière, elle nique sa mère. Allez. Brooke, ça va Brooke? Non, mais en vrai ça va, oui, parce qu'il m'avait donné le gilet. Du coup, bah, j'ai mal quoi. Fais-moi un câlin. Attends, ah, j'ai mal. Doucement, t'inquiète, je te sers pas trop, je t'aime. Mais du coup, faut que j'aille à l'autre. Sinon, ça va ou quoi, les BG? Eh, d'ailleurs, Dixon, ça va pas trop. Madame Erza, où c'est qu'on peut trouver je les t'aime aussi. T3, là, toi. Parce qu'elle veut aller se taper avec les londoniens. Ouais. Ouais. Les trucs T3, je te promets, ça sauve des vies. Je t'aime aussi. Je t'aime, mon frère. On a perdu beaucoup de monde. Vas-y, c'est parti. C'est pas grave. C'est qui encore? Allez à toutes les BG. Ouais, c'est qui? Ah ouais, c'est pas comme ça. Frérot, par contre, tu me rends mon travail, s'il te plaît, à défaut d'en avoir. Tu me rends le mien? Qui? Je ne sais pas. On s'approche un lapin. Bisous. Ça s'est arrangé? Non, au contraire, il a fait des conneries, apparemment il était en mode charo. Salut Louise. Mais bon, comme elle s'inquiète quand même, elle lui a envoyé ça va. Les gars, je vais faire pipi, j'arrive en 2-2 là. J'arrive.
River. Heureux, les loulous. River. Faut se goûter, hein. Je vais me remettre là-bas, là. Cette musique, je te jure. Toute ma vie. Quand j'étais petite, lui, c'était mon crush. Cette voiture-là, elle est possédée, je veux rien savoir. Il est parti où, Dixon? Les gars. T'as dit quoi? Il est parti où, Dixon? Je sais pas du tout, il était au téléphone, mais je sais pas où est-ce qu'il est parti. Non. Ok. Honnêtement, on était vers là-bas, je crois. Je suis même pas sûr. Je sais pas si on a gagné encore. J'ai acheté des capricornes. Tu sais que ça fait super longtemps que j'en ai pas mangé. Que c'est mort, je sais pas. Non, gagner Chamberlain. C'est là où on veut habiter notre quartier. Je pense que c'est en train de se déconcerter pour savoir qui gagne là. Allô. Ok, je vais voir André, vas-y, je vais... Ah, sinon, Ina, oui, elle est vraiment la poisse. Ouais, de ouf. Ah. Oui, les loulous vont bien. Vont bien. Ça va. Ils ont été faire leur 20 minutes. Hein. Cette musique, oula, vous kiffez cette musique aussi. J'aime trop, ouais. Ouais, de ouf, j'espère pas en vrai. Mais je pense pas, il va mourir. Là, ils sont en train de voir si on a gagné ou perdu. Allons-nous perdre? Allons-nous gagner? Si on gagne, point A, on aura Chamberlain, nouvelle ouverture de possibilités, c'est-à-dire qu'on va avoir un nouveau quartier, on va avoir plus de conflits, on sera à côté de tous les autres quartiers, etc. Meilleur quartier, meilleur garage, etc. etc. Après, si on perd, possibilité, c'est de trouver un autre quartier et de se faire d'autres ennemis et de voir ce qu'on peut faire d'autre, quoi.
Attends. Mais pourquoi tu fais ça? Attends. Pourquoi les points fourrières? Let's go! Tu l'as débloqué. Non, je l'avais. Bah oui, c'est la donne. Mais je peux pas la conduire. Il y a rien dans le coffre. Il y a un truc dans le coffre? Non, il y a rien dans le coffre. Non, non. Putain. C'est quoi cette voiture? Ça va? Non, ça va pas. Pourquoi? J'ai mal au torse. Attends, mais qu'est-ce qu'elle fait? Ça va, ah tu m'as manqué! Je crois qu'un gangster est tombé love. Bon allez, force à toi Brooke, à la chaîne vas-y, pro. Vas-y bisous madame Erza. Si jamais t'es en galère, t'as mon hume. Ouais, vas-y bisous. Pas de bêtises. Tu veux que je te répare ta voiture peut-être le straighter? Ah bah si tu peux ouais. Ouais. Non, mais ton capot aussi, ta voiture elle fait un bruit bizarre. Moi? Attends, je vais chercher un bon mécano. Tout le monde ouvre des capots. Merci Erza. Non. Aucune. Prends-moi 50 balles s'il te plaît. Demoiselle Ina, ouais. Je sais pas comment tu t'appelles, Nina, du coup. Ina, ouais. Si tu veux, arme-toi, on va. Il y a les Aztecas qui sont en train de se faire péter par les marins, on va aller les aider. Ok, vas-y. Bah non, en fait. Ouais. On va aller voir un peu. Pourquoi? Parce qu'on fait du bise avec eux et les marins ont été missionnés par les Indiens. Après, les Indiens ont eu la guerre avec eux. On est en alliance avec les Aztecas, de ce que j'ai cru comprendre. Donc ça serait logique qu'on aille les aider. Bah, moi, sachant qu'il y a les bras. Moi, les Aztecas, hein. Ils avaient qu'à pas nous balancer. Hein. Comment ça, nous balancer? Ils ont balancé, mais ça, on réglera le problème après. Ouais, ça, ouais, c'est pas grave. Après, ils nous ont aidés là. Là, ils nous ont aidés. De quoi là? Bah, moi et Dixon, ils nous ont aidés à repartir là parce que on était à deux, on était à la nage. On a été avec eux, ils nous ont donné une voiture. Avec les F4L là. C'est parce qu'on veut Chamberlain. T'es con quoi? Quoi? Oh, cette musique, cette musique, les gars! Bah, c'est à nous après maintenant! Mais non! Bah oui! Justement, bah, on si. Se bat pour l'avoir! Bah, ils vont se battre pour leur carte, bah, c'est ce qu'on vient de faire! Bah oui, et nous aussi! Ça va pas être facile d'avoir ça, les gars, donc j'espère que vous avez les crocs! Hein. Et comme dirait un grand rappeur de la nouvelle école, ouais, mais est-ce qu'ils ont aussi faim que moi? Tu vois, c'est ça ton problème! Tu vois, tu fais toujours le truc de trop! Arrête à rigoler! C'est bon, t'as tout? Ouais, tu m'as sorti mon arme. Que eux ils ont aussi faim que moi. Donne en dedans. Ça la vraie question. Est-ce qu'ils ont aussi faim que vous les F4L? Je sais pas. Merci beaucoup Erza. Erza c'est. T'as besoin d'essence c'est ou pas? Ina. Non non c'est bon, c'est Ina qui paye la facture. Quoi? Ah non, attends, il a appris mon nom pour le donner à une facture. Non non c'est Brooks. Vas-y c'est moi de m'en bas les couilles, j'ai gagné 20 000 au casino. Vas-y. T'as un bon trottinette. Attends peut-être. Oui j'ai un. Non. Aussi oui, j'ai un bon. Oui. Oui, j'ai un bon. Tac, t'en as combien? Un. Ouais, je te fais la deuxième facturation. Salut Snow. Salut Kizou. Salut Galagal. Oh, ça fait longtemps. On prend les deux sur le même endroit. Hein? En Radio Miss. Ah, ok. Allez, oust, et battez-vous. Bof. Bah. Non, non. Okay. Et t'inquiète, hein, je vous rappelle bientôt, là, je suis en train de mettre le projet en place pour les bons intérim. Vas-y, ça marche. Allez, à toutes. Ça va et toi, Captain? Ouais, je te répare, je vais pas te casser. Complètement folle, hein. Complètement folle. Merde, aïe. Le médecin m'a mis de la crème. Ouh. Sur le ventre. Ah. Je sais pas pourquoi, je lui ai dit que j'avais mal au torse. Il m'a mis de la crème sur le ventre. C'est parce qu'il t'a regardé à l'envers, du coup il a cru que le téton c'était le nombril. Ça se trouve, il t'a regardé, il a dit il est trop selou lui. Mais tu sais qu'ils m'ont oublié. Sérieux? Mais il y avait qui au sol? Bah, il y avait moi. L'ancien de chez nous, hein, tu parles ou de Total? Bah non, c'est nous. Bah, du coup, il y avait moi, l'ancien et Booba. Bon, en tout cas, c'est les seuls que j'ai vus. Et T-Rex, mais c'est m'en bat les couilles. Hein. Je sais pas du tout. Oui, ça m'arrive, César, mais je réponds T-Rex. Plus vite sur Discord. J'ai pas. Moi je t'ai dit, j'ai vu que l'ancien et Booba.
Et après, il y avait les F4N. Il y avait une meuf aux cheveux blancs. Il y avait l'autre enculé au fusil à pompe. Il y avait un autre que je connais pas au fond. Mais vous... Ah oui, mais vous étiez devant vous. Mais oui, mais ça, j'ai pas compris pourquoi il a fait ça. Bah ouais. Il a un fusil à pompe, mais pourquoi tu me colles à lui, genre? Il a forcément gagné si tu me colles à lui. Du coup, bah... Et donc, bah, voilà. J'ai tiré sur monsieur qui avait la cabillette. Mais non. Putain. Mais non, mais je pense qu'il a... Il a... Mais non, mais... En gros, c'est une question de stratégie. En gros, je l'ai vu, il a rafale Wesley devant moi. Je me suis cassé derrière le container. Je me suis cassé devant le container, j'ai vu qu'il avait l'AK. Du coup, j'ai dit, ouais, ok, si je joue comme ça, il va me défoncer ma grand-mère avec son AK. Alors, j'ai attendu, il s'est rapproché de moi, boum, je l'ai chargé sa mère. Et en plus, ce bolos, bah, il a été obligé de changer ses armes parce qu'il avait plus de balles. Et du coup, je l'ai enculé sa daronne. Moi, il est trop nul. En plus, on a fait chacun le contour de nos esprits, et après, j'ai mis une balle dans la jambe. C'était le pire combat de toute l'histoire des combats, frère. Mais bon, je suis content, j'ai coussé le monsieur avec la K. C'était le pire combat. Et si c'est lui qui avait la K, c'est que techniquement, c'est le plus intelligent d'eux, genre. Ouais, bah c'est la plus conne qui l'a fait. C'est le plus intelligent de ces deux qui s'est fait tuer par la plus conne de ces nous. Attends, mais tu te rends compte que t'as, veut dire, t'as tué le plus intelligent et moi j'ai eu le OG. Donc les mais deux trous fait... du cul, ils ont eu les deux O des familles. À partir de maintenant, on va me respecter, je te le dis. Mais tu sais que je l'ai dit, ça, je te dis fierté, on est meilleur que le OG des familles. Ouais, ils vont regarder qui c'est qui gagne, je pense. Ouais, on like me. Vas-y, c'est trop grave, frère. Comment tu sais qu'ils sont en vogue, Ophélie? Par contre, plus jamais je monte avec l'ancien. Ouais, pour le coup, ça va. Plus jamais toute ma vie. J'espère qu'il est mort. Hein. Ouais. Parce que, frère, il casse les... Oh, oui, t'es... Oh, bah tiens, j'ai oublié ça. Non, il y avait pas Bobby, je crois. Pendant que t'étais pas là. Il s'est embrouillé avec Dixon encore. Ouais. Ah, parce qu'en gros, Dixon, il lui a mis une pêche parce que l'ancien, il lui a dit nique ta mère. Du coup, Dixon, ouais. Il lui a mis une pêche. Du coup, l'ancien, il lui a remis une pêche. Dixon, il lui a dit je vais t'enculer, tu le sais, ça. Du coup, il a pris une voiture. Il a fauché Dixon en voiture. Ouais. Du coup, Dixon, il s'est relevé. Enfin, les médecins sont venus relever Dixon. Ouais. Et tu vois, quand on va se coucher et qu'on se tape. Ouais. Et tu sais que d'un coup, paf, on peut plus se taper. Nous on fait ça, mais il est 5h du matin. Ouais. Là, c'était 22h, Dixon il voulait, il a pris un couteau, il voulait planter l'ancien pour lui dire « Ouais, tu respectes tes grands » et il a fait ça l'ancien. Trois fois. Putain. Voilà. Alors, c'est censé être le plus vieux, mais j'ai l'impression qu'il est plus con que nous, genre. Ça t'étonne? Comment t'es les dents en fait? Ah, par contre, moi ce qui me fait peur, c'est qu'ils m'ont oublié, tu vois. Sauf qu'ils ont pris ma carte d'identité, les cops. Donc en fait, bah je sais pas ce que je dois faire là. Écoute, ils t'ont oublié, hein. Oui, mais ils ont bon dos. Oui, mais ton nom, ils l'ont depuis belle durette. C'est bon. Oui, mais du coup, ils vont forcément m'appeler. Et bah te dire bonjour, oui, moi je suis pas au courant, il y a un petit jeune, il m'a volé ma carte d'identité, en plus ce bâtard. Oh, c'est une bête d'idée ça, en vrai. Bah bien sûr. Tu dis, okay, on m'a volé mon portefeuille. Tiens, tu gardes ma carte. Vas-y. Ça, je dis comme ça, s'il me fouille, j'en ai pas. Vas-y. Attends, ça s'appelle... like me. Sur le cas des families, ok. Je sais pas. Je l'ai pas appelé. Il répond pas. T'appelles qui? Direct, juste comme ça. Oh. Parce qu'il répond pas quoi, donc. Avoue, t'as la haine un peu.
De... Genre, tu l'aimais bien, puis au final, bah tu sais pas, puis bah, au final, couilles. Tu l'aimes bien, puis... mais du oh, coup, puis... t'as la haine. Non, mais m'en fous. On se fait changer mes chaussures. Non, pas mes chaussons. M'en fous, hein. De toute façon... Oh, j'ai trouvé un bête de haut. Vas-y. Bah, c'est... C'est le haut que mon frère aimait souvent. Temps, on va se mettre ma tenue du soir parce qu'il commence à se faire tard. En même temps, il est rouge, il est trop beau. C'est Trey qui me l'a donné. Ouais. Ouais. J'aurais dû m'en douter que c'était lui. Pourquoi ? Bah, parce que c'est un peu Christina Cordula dans le métier. Enfin, c'est toi qui parle. Bah, c'est vrai. Ah, regarde le nombre de chaussures que t'as. Ça va. J'aime bien celui-là au final. En plus, on est assortis comme ça. Ouais, je suis content d'avoir pris celui-là, je le mets tout le temps celui-là. Faudrait que je le lave. Si c'est ma tenue du soir celle-là. T'as pas les chaussures là, ça me stresse. Ça change. Oui. Oh, c'est toi qui me dis de changer de chaussures. Alors celle-là, on la verra pas tous les jours. Bien sûr qu'il la connaît. Ouais. De base, quand je suis en train de changer de vêtements, t'es là en train de dire « Bon, c'est bon, espèce de grosse pétasse !» Oui, mais là, de toute façon, j'ai rien à faire, j'ai super gondes. Mal et je peux pas trop bouger, donc bon. Ouais. Dans tous les cas, tu peux changer de vêtements. Hein. Mais du coup, un hélicoptère. Ouais. Ouais, 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 ouais. Mais du coup, Oui. Bah. Du coup, on fait quoi là en fait? Bah, c'est pas où sont les autres. Puis on a certains qui répondent pas, hein. Je parle pas de T-Rex. Du coup, ça m'inquiète un peu. Putain, ça siffle beaucoup là. Du coup, toi, il restait qui quand t'es revenu? J'étais avec Dixon, moi. Ah bah ouais. Et il y avait Trey et le monsieur qui m'a appelé Nina là. Nina. Ouais, qui m'a dit de payer la facture. Ah ouais, le nouveau là. Oui, c'est ça. Enfin, les gens, ils passent devant nous, j'ai l'impression d'être invisible. Mais je crois qu'ils sont tous en train de réfléchir à ce qui vient de se passer là. Bah ouais, ça vaut quoi? Ça va et toi? Bah ouais. Bah moi non. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bah je me suis réveillé à l'hôpital. Ah merde. Ah ils t'ont oublié? Je me suis réveillé à l'hôpital. Pourquoi y'en a un tiens là? Attends, mais y'a des gens là. Y'a des gens. Attends parce que eux ils courent dessus mais mets-toi derrière le 4x4. Et où y'a des gens? Je viens de voir un mec sauter le petit muret là. Tout le monde dans le véhicule, allez, monte. Ouais, dépêche-toi. Ouais. On peut pas. Putain. Ah ouais, lourd la voiture. Bon ben c'est mort là, ça sert à rien. Ouais. Wesh. Il était armé en plus. Hein. Mais pourquoi il a couru dessus lui? Putain, il y a les Indiens, casse ses couilles. Bah ouais, mais enfin... Tiens, on se cache dans le coffre. Après, ils l'ont dit 4 fois quand même qu'ils allaient nous enculer. Hein. Et on se met dans la. Dans l'entrepôt, hein. Dans le coffre. Mais dans le coffre, on peut pas rentrer à deux. Mais si, en même temps. Et sauf qu'après. T'inquiète. Après, tu rêves de trucs bizarres. Quoi? Bah, parce que la dernière fois qu'on a fait ça, c'est quand vous vous êtes fait péter avec Stretch dans la course poursuite. Et moi, je me suis relevé au parking rouge en sortant. Ah oui. Bah ouais. Attends, mais y'a Dixon qui revient. Ouais, il a l'air serein. Hein. Alors? Il y a les Indiens, ils viennent péter l'autre là. Mais il est con en même temps, il leur court dessus. Bah oui, mais oui, c'est ce que je dis, je vois un mec avec une arme, moi je cours pas dessus hein. Vas-y, mais c'est quoi ces véhicules de merde? J'en ai marre, vraiment. Ouais. Mais non, mais l'autre par contre, il a un cerveau à courir sur un mec. Attends, par contre, vous avez essayé un truc? Wesh. Non, ça marche pas. Non, mais il faut juste qu'on rentre dans l'entrepôt et qu'on ressorte, hein, c'est tout hein. Ah bon? Rappelle comme avec la primo la dernière fois? Bah vas-y. Bah ouais. Là dans quelle couleur? En rouge? Parce que ce soir c'est fou le sang là. C'est la mort. Ah! Ouais! Elle est super ta technique. Papa, Dixon il est pas rentré. Je trouve que ça a bien marché. Mais Dixon n'est pas rentré. Ça va pas marcher. Pur. T'as les caméras? Ah oui, regarde la dernière fois que la primo quand je suis venu te chercher, ça nous est arrivé. Oui. On est re-rentré, on est ressorti, ça.
Du coup, on s'est fait péter pour zéro là? Bah, si, on s'est fait péter parce qu'on les a pétés. Ah, je vous avais dit, genre, je sais pas pourquoi vous voulez les Aztecas, genre, c'est eux qui nous ont balance. Ils nous ont... Attends, explique-moi ça, parce que c'est pas ce que. Pourquoi ils balance, c'est quoi cette histoire? En gros, on a pété les Familiz hier soir. Avant-hier soir. Avant-hier soir. Et Dixon, il a appelé les Aztecas pour c'est nous beau, aider. Qu'ils disent, c'est servi beau. À rien. Genre, quand je dis qu'ils ont servi à rien, ils sont même pas venus. Genre, on les a pas vus, tu vois. Sauf que, bah, ils étaient quand même sur la radio, on va dire, ils ont donné du leur, tu vois, en mode, ouais, on est là au cas où. Du coup, pour les remercier, Dixon, il a dit, ouais, on va les aider. Du coup, ils nous ont dit, ouais, on va péter salut, un indien, il est au casino, si vous voulez nous aider. Donc, on est allé péter l'indien, on leur a donné. Après, il y a l'histoire des trois meufs, là, ils ont tous charo. Alors, je leur ai dit 6 fois, venez, on se casse. Genre, ça sert à rien de rester. Ouais, ça se l'est bien retenu, ça. Sauf qu'ils sont restés parce que y avait des meufs. Ouais, et ouais. Les Aztecas, ils ont dit que c'était nous qui les a répétés, qui nous a missionnés. Donc, on les aide et ils nous balancent. Voilà. Et quand je dis, ouais, pourquoi ils ont balancé, ils ont dit, bah ouais, mais c'est parce qu'ils se sont fait braquer, ils étaient obligés. Je lui fais, oui, mais le truc, c'est que les Aztecas, ils avaient déjà des problèmes avec les Indiens. Genre, ils étaient déjà en guerre. Donc, c'était logique. Ouais, bah oui, totalement. T'es quelqu'un dans les problèmes, alors que tu peux juste dire, ouais, c'est moi, je t'ai pété, c'est quoi le souci? Bah comme oui, on fait avec oui. Les Familiz. Bah oui, parce que c'est logique qu'eux, ils les pètent. Voilà. Sauf que, bah non. Ouais. Voilà, tu vois, on peut monter. Bah oui. Je vais venir chercher le Uzi. Et je vais aller aider mes collègues. Ouais. Vas-y, on arrive. J'ai pas d'arbre, je peux rien faire. Hein. Moi non plus. T'inquiète, c'est pas grave. Mais les autres, ils sont où? Bah, les autres sont à l'hôpital. Ok, et T-Bone, T-Rex aussi. Ça pèterait. Ok, il me raccroche, je crois qu'il se fait péter. Ah non, hein. T'arrêtes de perdre ta tête. Pas très fut de courir sur un mec armé, hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. Moi, j'ai dit direct derrière le. Ouais, je sais, mais. Derrière le 4x4. Mais nous, on voulait en mode les gars, qu'est-ce qu'il y a, tu vois? On les quoi, tiens? Ah, y'a Wesley qui m'appelle. Allo, Wesley? Là, je suis en voiture avec Dixon et Inaya. Ouais, t'es où? Je bug? Sérieux? On cherche les Indiens, putain, ils viennent de péter un mec chez nous. Il y a les Indiens qui viennent de péter. Ouais. Ça me saoule. Bah oui, ouf. Il l'avait dit. Dixon va à l'hôpital, ils sont sortis. Ouais, mais je vais pas les prendre alors qu'ils sont pris des balles. Y'a que Wesley là, on peut le prendre au pire. Y'a T-Rex aussi. Oh, mais elle avait un T-Rex. T-Rex, il est pas sorti encore. T'étais avec T-Rex et... Ok. Ok, bah Wesley, il était avec T-Rex et T-Bone, là. Et wesh. Salut maman, ça va? Ouais, toi. Ok, bah... Bah là, écoute, je sais pas ce qu'on fait en fait. Dixon, il nous a emmené chez des Aztecas. Là, je sais pas ce qu'il fait du tout. Mais apparemment, il me dit on va pas venir te récupérer parce que dans tous les cas, t'as pris des balles donc ça sert à rien. Donc, ouais, rentre au quartier, on arrive, on finit avec les Aztecas et on te rejoint. Vas-y, à toutes. Ah, par contre, c'est chez nous ici qu'on rentre. Oui, salut Quentin, ça va? Ouais, je sais. Dixon. Amdoula, ça va, hein? Ça va bien. Eh, d'ailleurs, aussi, j'ai un truc que je t'ai pas dit. Quoi? Je suis dans le tableau de Flappy Bird. Je suis 9ème. Oh, t'as fait combien? 448. Mais j'aurais pu faire tellement plus sauf que. Mais j'ai un mec fait qui m'a j'ai poussé. Fait un score comme ça, mais ça a fait réinitialiser. Bah ouais. J'aurais pu faire tellement plus, mais il y a un mec qui m'a poussé. Et retrouve ta toux là, dépêche-toi. Mais bon, tant pis. Parce qu'elle est bah, obligée. Bah et du coup, on fait je quoi? Je le rappellerai après, ou j'irai le voir. Bah, c'est pas. On regarde Dixon faire des tours.
super. C'est Ludwig. Ok, c'est quoi, Christian? J'appelle ma meuf. Quoi? C'est qui ta meuf? Je m'en réponds plus. Qui ta meuf? Oh, tu vois, je t'attends, ça fait 10 minutes. Ah ouais, j'ai dit pas, t'es où? Bon, dans ton quartier. Elle, ta meuf? Mais... Bonjour, madame Dixon. Oh là là. Bon. Écoute, moi j'ai les Indiens, ils viennent péter 3 de mes mecs, ça me saoule. Non mais eux, ça y est, les Indiens, c'est vraiment des hijos de puta. Vraiment, vraiment, vraiment. Non mais moi j'ai pas envie de taper alors que... Ça y est, j'ai jamais vu ça. Hein. Depuis que je suis dans la cahier, depuis que... J'ai jamais vu un truc pareil, hein, sérieux. Moi je les connais bien. Ouais. En fait, t'as vu, on essayait de parler avec eux, on essayait de... En fait, c'est des fous. C'est déjà, ils ont aucune parole, ils ont aucune... Ils ont tu dire à ta maman, faut pas toucher la tête. On a convenu d'un accord avec eux. Ils ont dit ouais, ils nous ont dit ouais, vous allez me donner je sais pas combien, 70 000. Là, on leur a ramené 70 000 plus un rempo de weed. Ils nous ont dit ils sont passés de 70 000 à 110 000. Mais c'est des fous, c'est des fous. C'est Kanda qui avait parlé de ça ou c'est les gens à côté? C'est Kanda, c'est Segundo, c'est Chica des hijos de puta que si je l'appelle, je vais lui mettre une balle dans la cabeça. Elle est totale Espagne. Ouais, ouais, les Total Spies, là, c'est tout la chica, là. Elles font tous les malignes, elles, hein, vraiment. Elles ont joué avec Minel, hein. Ouais, t'inquiète, je les ai jamais rencontrées, j'ai envie de les enculer, je dirais pas pourquoi. Ah non, non, mais je te jure, hein, elle, un jour, elle va se balader dans la rue, elle va rien comprendre, quelqu'un, il va arriver cagoulé, va lui mettre une balle dans la cabeça, je vais la jeter dans un fleuve, et ni vu ni connu, personne ne saura que c'est moi, là, une ma mère. Hein. Ah, ouais, et bah, si jamais beaucoup, tu le fais, tu pourras me le dire, ça aurait une satisfaction personnelle. Avec plaisir. Merci. Oui, je l'ai fait, je l'ai fait, mais j'ai encore rien posté, je vous le mettrai. C'est normal. Ah ouais, bah j'ai vu sauter le petit muret là. Et ils étaient normal armés. C'est des ravagés, c'est pas possible, c'est des fous furieux. Ah, c'est des fous furieux, bah, moi aussi. Hein, moi, quand, si je vais aller chercher des gens, carrément, moi je vais dans leur quartier, bah, non, je vais faire la même chose. Je vais rentrer dans la grave site, je vais rentrer dans leur maison de merde. Alors, c'est pas parce qu'ils sont cons qu'on doit être encore plus cons, Dixon. C'est d'accord avec le con. C'est vrai, c'est vrai, il a raison. Ah, mais bon. Parce que là, je pouvais en péter deux là sur la route. Mais... Ah, tu sais. Ouais. Mais oui, moi, je vais pas te mentir. Je vais aller péter quelqu'un là. J'ai qu'une envie là, c'est d'aller me coucher. Là, une ma mère. Ben, moi aussi, de base, on allait se coucher, tu vois. Ah bon? Bref, ça fait deux soirs de suite. Hein. Hier soir, j'ai fait un rendez-vous avec eux. Juste après, je suis partie dormir parce que mon crâne est chauffé. Là, pareil, je me suis réveillée. J'ai fait un rendez-vous avec eux. J'ai envie d'aller dormir. Ils sont encore en vogue avec les familles. Non, je te jure. Écoute. Quand le jour où tu te battrais. Ouais, mais ça, c'est ce truc que j'aime pas. Sauf avec des GT3 ramés jusqu'au cul avec pas beaucoup d'accords, on en reparle, ok? Ouais, mais vous êtes combien? Tu sais ça la différence? T'as vu, on était combien? On était 10. Et on est même pas là. On est là actuellement, là. On est 4 ou 5, je crois. Ouais. Que je veux dire, c'est pour ça on leur a dit, on veut bien faire un geste vers vous, tu vois, on vous rend votre Beretta, on vous donne 10 000 dollars et chacun repart de son côté, tu vois. Ils veulent le beurre. Ouais, ils veulent le beurre, l'agent du beurre. Parce qu'on avait été missionné par les Lost, ils voulaient qu'on leur mette un couteau dans le dos. Sauf que nous, on l'a pas fait. T'as vu, on va pas mettre des couteaux dans le dos avec des gens qu'on travaille, c'est normal. On leur a dit, on a du respect, on a de l'honneur. Et du coup, ils nous ont demandé 70 000 plus un rempo. Au final, on leur donne les 70 000. C'est what you say, Jason Derulo. Avec le rempo parce qu'ils savent très bien qu'il y a les maras derrière nous. Donc, ils voulaient absolument qu'on se fasse taper par les maras. Enfin, franchement, j'arrive pas à comprendre comment ils pensent, comment ils réfléchissent. Et la vérité, c'est. Je sais pas, je comprends parce pas. Que vous avez des problèmes avec les maras? Bah, les maras, en fait, c'est. Les maras, ils tapent tout le monde. Dès qu'ils vont. T'as vu, les maras, en soi, eux, je m'en bats les cochonnes un petit peu, parce que comme il a dit, ils tapent tout le monde. Et je sais ah oui, que c'est vrai, Périne. Tout, tu vois. Vrai. Mais les Indiens, eux, c'est vraiment personnel. Let's go, Veritas. Bah, ils se touchent les couilles, il faut se dire, ils se touchent les couilles. Profitent en fait d'attaquer les plus faibles, tu vois ce que je veux dire? Ils ont pas d'honneur, ils ont pas de rien du tout. Mais vraiment, nous là ce soir, si on serait pas sur les familles, ce soir on était sur les Indiens, on les aurait enculés, c'est bon. Je vais pas te mentir, s'ils avaient pas de méga, j'aurais déjà tiré sur les Indiens. Pas tiré, nous vraiment, nous c'est pète, on les pète. Tiré, moi je les aurais arrachés, hein. Vraiment. Mais bon. Tranquille, bref, on verra, là ils vont rappeler. Je vais essayer de me calmer, tranquillo. Dis-moi, t'as quoi en stock là? Dans ton truc là? Parce que je vais pas mentir, moi j'ai perdu beaucoup de trucs. J'ai perdu une AK. Un tech. Naka, là.
Ouais, j'ai perdu une AK. Bah, on a, on a fait attends, perdre. Je vais dire. Ina, elle a fait tomber un gars avec une AK, donc c'est kiff-kiff. Ouais, et moi j'ai fait tomber le pompe. Oh merde. Non, tu l'as pas fait tomber, j'ai l'impression. Si, si, ah bah, il était moi avec moi plus. Devant j'ai les EMS, hein, Turtle. Hein. Je te l'affirme, il était avec moi devant les EMS. Hein. Ils l'ont relevé devant moi, donc j'en suis sûr. Tu t'appelais comment déjà, toi? Putain, vous avez perdu pas mal de. Pas mal d'alma là. Bon. Je vous le donnerai très bientôt, Fautine, sur Discord. En fait, t'as vu, moi, c'est même pas une fête. T'as vu, je vais pas te mentir. C'est même pas le fait d'avoir perdu de la weed ou d'avoir perdu de la plata. C'est même pas ça. C'est vraiment, tu sais, l'attitude qu'ils avaient, l'arrogance, le fait de, en gros, t'as pas le choix, tu fais ça et tu la fermes. Tu sais, ils avaient une attitude genre irrespectueuse. Et ça, c'est tout ce que je déteste, vraiment. Déjà, la première fois, quand il y avait les Cubains en ville, j'ai pas réussi à m'entendre avec eux. Les Ogun, j'ai pas réussi. Alors, c'est pas pour m'entendre avec eux. Qu'est-ce que ce genre d'attitude? Je sais pas si je peux faire ça. Attends, je vais regarder. Alors, ce que j'ai en stock. C'est le blanc. Oh, mais t'es trop forte. Il me reste pas grand-chose là. Il me sur reste, ma vie, que t'es trop forte. Et tu es trop forte. Oui. Tu es une génie. Elle est bon. Vas-y, moi j'ai un seul, hein, je te le dis. Ah, bah, ouais, du coup. Vas-y, tu sais quoi, j'ai rien que mes gars, vas-y. Vas-y. Bon, bah, des bisous, venez, madame Dixon. Bisous, bisous. Très. Vas-y, vas-y, je vais en rendez-vous avec les Indiens. On va voir les Indiens là. Ça vous. Oh. On est où? Mais pourquoi c'est on va aller voir là? Qu'est-ce que c'est quoi le délire? Parce qu'ils ont notre gars. Bah, parce qu'ils ont notre gars, ouais. Elle est bon. Tu sais, il m'a dit dirige-toi vers Elbourg. Il m'a dit dirige-toi vers Elbourg. Ouais, j'arrive. Du coup, c'est quoi le délire là? Ils ont chopé un de gars, enfin, on va discuter avec eux. Ils vont prendre encore un Beretta comme la dernière fois et voilà. Hein. Non, mais je vais leur dire. T'as carrément, ils ont pété des mecs qui sortent de l'hôpital. Non, ils ont pété Trey en vrai. Ils ont pété Trey aussi? Non, mais là, ils ont pété Trey, là, on y va, non? Et l'autre, là, qui s'est fait péter juste avant? Ah, arrêtez de stresser, c'est moi. Yo, les man. T'es pas là, hein? Bonjour. Merde. Namasté, comme tu dis, Kanda. Bah ouais. Ah, toujours coquette, les femmes. Tiens. Toujours, toujours. C'est le bras droit, c'est important, c'est important. On va arrêter. Merci. De discuter avec eux derrière, du coup, on va arriver à la finalité, on va pas dormir 15 ans ici, sur ça. Du coup, apparemment, hier, il y a déjà un Beretta qui vous a été pris, les gars. Ouais. Parce que vous avez décidé de s'en prendre à nous. Alors du coup, j'avais une question, voilà, que je posais à tes gars juste avant. Combien vous avez été payé par les Aztecas? Zéro. Zéro. Alors en plus de ça, nuit, chapeau, vous avez fait ça gratuitement. Non. Enfin, pour quelle raison? C'est un service contre un autre. C'est-à-dire? J'aurais demandé un service si. C'est-à-dire? Enfin, ils l'ont quel fait. Service bah, je veux, bah, c'est ça qui te veux savoir. Bah, si. Je veux savoir quel service pourrait être équivalent à venir s'en prendre à nous. Je suis curieux. Bah, je suis curieux de savoir. Comme je t'ai dit, un service contre un service. Mais bon, ça, je vais pas divulguer mon business si, avec si, eux. Si, tu vas m'expliquer. C'est ce que je fais, IRL. Je me suis dit, ils sont envoyés à une position au cas où ça part en couille avec d'autres personnes. Pour le charme, non, mais en vrai, t'as géré de ouf. Du coup, là, je l'ai plus, mais je m'en souviens. Tu leur as demandé. C'est de péter des gens à la sortie d'un truc, c'est tout. Du coup, là, demain, moi, je t'appelle pour péter le cartel de Guzman, t'es chaud? Tu les attends à la sortie du port. On les pète quand ils reviennent de Cayo Perico, ça te tente? Ça te dit? À réfléchir. On fait ça, c'est un bon plan, t'inquiète. Franchement, pas mal, ouais. Aucun risque. Non. Tu vas masquer, ils te retrouveront pas, c'est sûr. Bref, tu nous as retrouvés. Écoute, hier, tu nous as pris un Beretta. Donc, de base, c'était fini pour nous avec vous.
donc je sais pas pourquoi vous êtes revenu à la charge non, ce soir. Non, c'est bon, non, non, c'est bon. Mais on est revenu à la charge parce que hier ton OG nous a certifié. C'est pas mon OG, c'est le bras droit. C'est le bras droit. C'est le bras droit. T-Bone. Oui, T-Bone. C'est pas le OG, ouais. Lui. Non, c'est pas le OG. T'es un papy, ah, écoute, tu déconnes. Moi, dernière nouvelle, pour moi, c'était le OG. Tu déconnes, qui a dit ça? Toujours présenté comme tel. Du coup, écoute, T-Bone, hier, il nous a clairement dit que non, c'était pas lui. Non, c'est pas moi qui vous ai pété, vous dites n'importe quoi, je sais pas quoi. Pourquoi, voilà pourquoi mes gars ont décidé de lui prendre un Beretta alors que les Aztecas sont clairement certifiés que c'est lui. Oui, j'ai vu, en fait. Bonne nuit, voilà, des mots. On vous a pris un Beretta. Ouais, ouais. Là, bah, si on vous pète ce soir, c'est pour battre un avertissement. Qu'on vous revoit plus derrière nos rétros. Que vous ayez plus la petite. Écoute, arrêtez de lui parler derrière, les gars. Je vais pas le répéter 115 000 fois. Arrêtez désolé. De lui parler. Désolé. Du coup, on va pas y passer 15 ans. La prochaine fois que vous avez l'idée de tenter un truc contre nous, bah, démerdez-vous de toucher un bon billet, quoi, au moins. Ok? Ah, de toucher un bon billet, c'est quoi? C'est parce qu'on t'a pété toi hier que... C'est pour ça que t'as un peu... Mmh. Ouais, on aurait dû péter un plus 6. Bon. On est en train de plus m'énerver, je crois qu'on va couper court. De toute façon, on va procéder à la suite. Malheureusement, le plus arrogant de tes gars, bah, c'est le plus blessé. Bon, je suis pas assez énervé de là à tuer un de tes gars. Du coup, il y en a un qui va prendre pour les autres. Papy, je te choisir. Ouais, t'inquiète. Vérifiez qu'il a pas d'armes. Ouais, vérifiez qu'il a pas d'armes sur lui, les gars, s'il vous plaît. Vérifiez qu'il a pas d'armes. Lequel était le plus cool des deux? Lequel était le plus cool? Non. Prends-lui parce que son cul il est moche. C'est très chiant lui. Les trois sont là. Tirer dessus là. Allez, on s'est tous fait tirer dessus, mais bon, les gars. Je vais tirer dessus là. Bah écoute, apparemment, il y en a qui étaient dans une buffalo à 200 km/h et un autre qui sortait de l'hôpital. Alors il y a quand même une différence. Dégueulasse, là. Et moi, j'étais pas là, mais je vous jure que. Dégage toi. Écartez-vous, Manju, Katoon. Écartez-vous. Mais toi tout seul contre le mur là-bas. Faut filmer ça, les gars. Papy, fais pas ça. Personne si, je vais le faire, vous allez voir. Oh, papy. Si, je vais le faire avec beaucoup de plaisir. Allez, écartez-vous. Donc là, c'est une démonstration de force, les gars, vous êtes prêts? Mais toi, dans le coin. Ils vont le planter, je pense. Dans l'angle, là, pas dans le corner. Je vais le faire, ça sert à me dire, je fais pas ça, je vais le faire. Vas-y, donne-moi une munition. Allez, papy. Je bouillonne. Et encore, j'aurais aimé faire l'autre parce que j'ai déjà blessé. J'ai blessé, mais j'étais pas là. Toi, ton insolence là, c'est ton pote qui va prendre par ta faute. Putain, non. Ah, les papis. Je suis désolé. Manju, hein. Manju, t'es sourde. Manju! Il vient d'arriver, papi. Attends! Ok. On a vraiment besoin d'elle en fait. Là. Voilà. Vas-y, Manju, ramène-toi. J'espère que les mauvaises idées vont partir de votre tête, les gars. Vas-y, on va y aller. Bien pris, Kanda, bien pris. Chef. Allez, on y va, les gars. Débat, mais désolé, papy, désolé. Excuse-nous, chef, vas-y. Allez, bref. À la vidéo. Okay. Allez, on y va, on va pas y passer. Et toi, t'as ta casquette, toi. J'étais pas là hier. Comment ça, mettez vos genoux? Non, mais parce que je m'excuse, moi. Comment ça, mettez vos genoux? C'est bon, allez, on y va. Attends, prochaine fois, Rafale, pourquoi? T'inquiète. Ou ferme ma gueule. Je te ramènerai la nuit la prochaine fois. Continue, désolé. Ouais, carrément. Écoute, c'est sympa l'ambiance ici, moi, j'aime bien. Comment ça, range ton arme? Ces messages passent pas. Moi, je trouve ça t'as pas. C'est grave. Et où Y'a quoi que tu ne comprends pas. Tu veux qu'on te fasse dégager ton quartier? Tu veux qu'on prenne ton quartier pour te montrer qu'on est plus malin, on est plus fort que toi? C'est tout, y'a rien, j'envoie la pause aux médecins, ils arrivent. Techniquement, si vous le voulez, vous pouvez le prendre, on en veut plus. Allez, bah alors là, super votre groupe, hein. Alors là... On se tient usé, vas-y, viens, papy, il fait le guerrier. C'est pas question de solidarité, c'est question d'information. Au revoir, messieurs, au revoir. Oh, c'était sympa, sinon. Non, vraiment, que de la gueule. Tu l'entends, la meuf, ou pas, là? Ouais, on l'entend, bon. Viens. Allez. Oh, l'enculé, elle. Dixon. On pourra l'enculer, s'il te plaît. Si leur fais pas le cul, ces fils de pute. Ouais, c'est vrai, l'enculer, la dame. Écoute-moi. Faut qu'on pète pas pour la gueule. On va péter leur cul à eux et la tête d'un mec, les Aztecas, on va leur faire. C'est frère, faut des explications. Non. Riche. Comment non, ça, les Aztecas, non? Pourquoi non? Regarde. Mais ils ne sont pas frères. Mais ils nous ont balancé. Mais bien sûr qu'ils vont le dire non, frère. Je crois qu'ils vont le dire oui, on vous a snitch. Oui, il m'a dit oui. Andrea, je t'envoie une position, tu peux venir s'il te plaît, y a pas de truc d'indien quoi. On va pas maintenant, y a les médecins qui arrivent. On va leur envoyer une autre. Par contre, entre vous et moi, salut Bibu. Ah bon, là, pas ce soir ni demain soir. Par contre, les Aztecas, ils nous doivent des explications là. Non, mais c'est pas. Les trois meufs là, des indiens.
Si je te promets que je leur fais pas un boulot et que moi aussi je la plante pas, on s'en bat tu es une salope frère. Si je la plante pas. Mais frère, elle est... toi t'étais pas assis, t'étais là très en plus l'autre soir. Quand? Ouais, si, mais si, j'étais au barrage. Là. Ouais, j'étais là. Mais frère, mais c'est. Pourquoi une... te vois le chômeur? Et mes parents, la tête de la mère qui a pas assumé hier, vous avez tout niqué, wesh. Hier, fallait grave assumer que c'était nous. Et moi, j'ai rien dit hier. Hein. Moi, hier, j'étais pas là. C'est Tibon qui a parlé. Hein. Ah, c'est fallait bien leur dire on était là, fallait bien leur dire. Pourquoi t'as quitté pas ton ami, frère? On est en gang, depuis quand on fait des trucs, on se cache, on est des salopes. Ah, tu diras ça à Tibon, hein? En plus, clairement, s'ils nous chopent pour nous demander si c'est nous, c'est qu'ils savent déjà, frère. On passe juste pour des pantins. Mi-août, ok, il faut juste assumer, oui, c'est ouais, nous, je vois le délire. C'est tout, frère. Là, ça fait des problèmes pour rien, là. Oui, enfin, là, ça change pas que l'autre meuf, ça reste une salope. Mais pourquoi, frère, qu'est-ce qu'elle a dit, l'autre meuf? C'est pour rien. Mais je sais pas, elle est hautaine, je trouve, quand elle parle, t'entends pas quand elle parle. Ça fait pas à cause de connasse. C'est pas à cause des allô? Ouais, c'est comment? C'est comment? Bah, il y a un mécanicien qui vient de se faire planter, ouais. Quoi? Bah ouais, par les Indiens. Qui ça? Attends, c'est quoi son nom à celui qui s'est fait planter? JK. JK. Voilà. JK? Ouais, à JK, ouais, c'est ça. Putain. Bonsoir. Ouais, c'est... Mais c'est qui, c'est qui? C'est les Indiens, tu m'as dit? Ouais, ouais, c'est les Indiens, mais vas-y. Eux, ils font trop les nerveux. Ils font trop les nerveux, mais je vais les baiser. Les nerveux, les arrogants, là. Mais je crois, on va leur péter le cul, hein, tant pis. Hein. Ah, tant pis, hein. Y a moyen que vous venez chercher. Ça met un peu du vent. Bah là, c'est un peu compliqué parce que déjà, on a qu'une voiture. Mais non, mais là, on était au rendez-vous qu'ils nous ont donné. Ok, non, mais c'est bon, je suis à côté. Ok, bah vas-y, bah parce qu'on a qu'une voiture, on est. Ah, c'est bon, j'arrive. Personne qui a un truc à boire. Mais ils ont fait ça pourquoi? Non, je sais pas. Soit disant pour nous mettre un avertissement. Alors hier ils nous prennent un Beretta, aujourd'hui on fait rien, mais apparemment ils nous mettent un avertissement. Et ils ont pris quoi là ce soir? Bah rien, ils ont juste planté Dicky. Alors eux, c'est leur casser le cul. Bah en fait, genre, ils font les gens très énervés tout ça, mais ils sont pas très réfléchis. Genre, tu veux mettre un avertissement, fais-le au moment où tu prends le Beretta, j'en sais rien, mais pourquoi tu prends un rendez-vous en double mesure, genre, demain ce sera le troisième rendez-vous pour l'avertissement numéro 3, genre. C'est pas très logique, genre. Ah mais bon, c'est pas grave, c'est les Indiens. Et en plus, ils ont aucune discrétion. Ils sont venus au quartier, on a vu sa grosse tête dépasser du muret, il avait un petit saut, il a refait un petit saut. Éclaté. Ah, c'est pas grave, eux demain on s'en occupe, t'inquiète pas. Ils ont fait des sauts de lapin dans le quartier, c'est con. Il vient d'où lui? Mais tranquille, venez au quartier, j'y suis. Ouais. Bah, ouais. On arrive après, ouais. T'as pas payé du coup. Vas-y. T'es pas là hier? Ouais. Vas-y, c'est mon courage, j'ai mon courage, j'ai gagné. J'en ai vu des gens cons. Mais des comme eux. L'Angard, t'étais là hier ou pas? Non, j'étais pas là. Eh, tu sais, je les ai rendus fous. Hein. Moi, c'est très. T'as du coup. Ah, mais tu sais, je les ai rendus fous, je leur ai poussé jusqu'à l'enfer. Ça se voit, ils avaient le démon contre toi. Je vois. Je pouvais plus. Et de toute façon, c'est ce genre de personnes arrogantes, de toute façon, faut les rendre fous. Parce qu'en fait, ils essaient de te rendre fous, mais ils sont éclatés, frère. Déjà, la discrétion. Mais tu sais que je les ai rendus fous, ils ont pouvaient. Mais toi, ouais, espèce de skeg, pourquoi tu cours sur des gens armés? Mais attends, mais moi je cours, ils font quoi ici? Mais oui, mais ça m'a vu comme ça, alors. En fait, hier, il m'a prévenu direct. Et je vois quoi? Le mec dans sa bûche avec des AK. Bah oui, moi j'ai vu l'arme, je me suis mis direct derrière le 4-4. On était pas armés. Allez, frérot, je suis désolé. Vas-y, je suis coupable. Oui. Maintenant, tu me dis toute la vérité. Bah, regarde, ils ont essayé de mentir. Ils ont essayé de mentir, mais ils se sont fait niquer. Gros, les Indiens, ils pouvaient pas savoir que c'était nous. Genre, ils avaient aucune suspicion. Genre, on si, vraiment, ils ont lâché ça. Vraiment, ils ont vraiment lâché. Ouais, ils ont. De toute façon, on sait que c'est eux. Donc, t'as ils sont juste cons, frère. Ils ont mangé une prison pour rien. Parce qu'ils savaient grave pas que c'était nous, frère. Bah comment ils auraient pu savoir que si nous disaient non, c'était pas les Indiens, je pas en vrai. Oh merci Bibu, merci beaucoup. Non, mais les Indiens, vraiment. Excuse-moi, c'est parce que j'avais enlevé les sonneries. Ils ont juste moins parlé. Ils ont été cons de planter en vrai. On va pas se récupérer de là maintenant, frère. Non, pas maintenant. Ils ont été cons de planter. Bref, tu connais. Ah, ça, demain. Et Aman. Oh, nique ta mère. Mais vas-y, frère. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que hier, ils vous ont pété, là. Ils vous ont pris un Beretta à Massin. Et là, ils vous répètent sans raison, pour rien d'autre, pour rien de nouveau, pour vous donner un avertissement. C'est une bite, c'est tout. Alors écoutez, je ne participerai pas à dire que c'est une bite, parce que sinon je vais me prendre une tarte dans la gueule. Ah, c'est quoi ton blaze? Non, moi je peux me permettre de dire ça. T'étais avec moi, toi, du début à la fin. Mais lui, t'as du nid, en fait. C'est vrai que t'étais hautain, toi? Hein?
Je sais pas, ils ont dit que t'étais arrogant. Ça se voit, il était autant de ouf. Ça se voit, t'étais arrogant, ouais. Tu sais, je me mettais comme ça, j'ai dit. Ok, ok, chef, désolé, chef, vas-y. Mon gars. Ouais. Mais ah, tu sais, qu'il est dans le club, du coup, l'arrogant. Oh, oh non, il a répété 10 fois que. Vas-y, monte, monte. Qu'il était pas là hier. Vas-y, si on se porte. Porte. Lève tes mains. Moi, porte. Quand tu me dis porte, moi, se porte. Tiens, tiens le colis. Ah, vas-y, tu prends le colis. C'est moi le colis, là. Oh non. Ah, ça passe, je suis pas sûr de l'idée. Oh, voilà, 307. Oh, t'es bon. L'enculé. Ah, je dis, tu remontes ici. Tu remontes ici. À 150 sur l'autoroute. T'as tous les moyens. Et sinon, tu peux éviter de prendre des grands sauts comme ça. Oh, ah, mais quel gag. Bah, merde. Je te rappelle juste que je sors de l'hosto, quoi, genre. Oh. Non, oh oui, bah oui, bah oui. Bah oui. Ah, appelez-moi les médecins. Bon, bah, du coup, putain de merde. Toujours dans l'excès, lui. Par contre, personne vraiment a un truc à boire là. J'attends. J'ai des soins. Parce que frère, là, je vais bientôt. J'ai des bérettas sur moi là. Je commence à faire une insolation à l'ombre là. Ouh, mais t'es un malade. Non, mais oh, Dixon, s'il te plaît, doucement, je sors de l'hosto, frère. Arrête-toi, t'es un fou. Serre les dents. Enfin, serre les dents. Dixon, tu te calmes, s'il te plaît. Il m'a dit. D'ailleurs, je veux pas être méchant, hein. Pourquoi vous continuez de mettre l'ancien en tant que pilote alors qu'il est éclaté? L'ancien, il est. Vas-y, il est parti de toute façon, il a dit. Le mec, il m'a arrêté au corps à corps du fusil à pompe. Oui, on a vu ça. Putain, 200 EQ. Enfin, réfléchis dans ta tête, non? La prochaine fois, tu lui diras de mettre tes narines carrément dans le canon. Je comprends pas trop, genre. Oh la dinguerie. Bon les gars, c'est pas fini avec les familles de Kaou, c'est au courant. Comment ça? C'est pas fini les gars, on l'avait pas dit quoi. Sur la vie de ta mère. Comment enfin, ça, vous c'est croyez pas vraiment fini qu'un truc et c'est fini? Bah oui frère, mais les gars, c'est pas fini. Hein. Mais non, c'est pas fini. Dans ce cas-là, ça sert à rien de faire ça alors. En fait, c'est pour ça que j'ai dit qu'on reprendra en fait, non? Ouais, c'est ça. Les gars, c'est pas avec une seule fusillade que ça va. Mais venez, on les chope tous un par un, on leur coupe tous les couilles. C'est pas, genre ça va peut-être sans effet. Non, au pire, on peut leur couper l'index à chacun, comme ça ils peuvent plus tirer. Ah, ça c'est une bonne idée ça. Non mais ouais. Bah après on leur coupe les mains. On leur coupe toutes les mains. Ça va, d'accord. On leur coupe toutes les mains comme ça on fait une collusion de mains. Ouais, doucement. Ouais ouais, désolé. Comment ça chef, doucement, ouais. Bah, reste tranquille mon gars, dégage. Ouais, c'était bizarre frère, pourquoi tu fais le nerveux? Ah, je suis tendu, je suis tendu. Vas-y, décale. T'es tendu mais reste tranquille le S. Bonjour messieurs, mesdames. Venez d'où vous? Comment ça reste tranquille, viens. Je viens d'où? Qu'est-ce qu'il y a? Je viens d'où? Encore là? Tu veux que je te pète ton cul maintenant toi? Vas-y pute. Monte dans ton véhicule, vas-y, monte dans ton véhicule, vas-y, monte dans ton véhicule, c'est quoi? Vas-y, mais déjà, frère, à partir du moment où il fait l'insolent, où il téléphone, moi, frère, j'ai attends, mais attends, mais je vais lâcher ton. Gros, c'est bon, frère, il y a des limites. Mais allô, allô, pourquoi vous faites ça, les gars? Vas-y, 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 monte, monte. Parce que c'est des fils de pute, on s'en bat les couilles. Non, mais frère, attends, attends, il y a un souci là. Genre, tu le braques, le mec téléphone, frère. Moi, je tire direct dans sa grand-mère, frère. Qu'est-ce qu'il fait? Mais on est où là? On va où? Je sais pas, on va où? Bah, oui, les Dixon. Attends, je l'appelle. Mais Dixon, il est monté dans sa voiture, ce con. Non, mais oui, mais je sais pas où. Mais y'a rien de logique ce soir, j'ai envie de tous insulter tout le monde là, frère. Mais, oh, on fait n'importe quoi. Et alors. Le mec en rouge, mais ça daronne la pute, vas-y, vas-y. Putain. Quand il a une arme soudée, frère, il téléphone. Vas-y. Après, il est tombé sur le mauvais jour lui aussi. C'est comme si le mec, on le braque, il dit pousse, attends deux secondes, appelle un ami. Attends, allô, moi, je suis en train de me faire braquer. Hein. Frère, va te faire enculer. J'en ai deux, j'ai des brûlés que ça. Il y avait la voiture, okay. L'autre voiture qui était avec l'autre voiture. C'est pas français, mais t'as capté. Mais tu vas où? On fait quoi là? J'ai pas, sur le parking, on m'a dit. Hein? Ah, ok, il est là. Là-bas, au fond. Vas-y, bah, donne. Tiens, prends-je. Nickel. T'as pas un truc à boire par non, hasard? Non, c'est pas, j'ai regardé mes épaules. Putain. Oh, y'a quoi? Personne a un truc à boire? Il ouvre son cul, j'ai juré, il ouvre son cul. Déjà, je tiens à dire, monsieur, vous avez une sacrée paire de couilles pour prendre un téléphone quand vous êtes braqué. Ah, l'arrogant, t'as pas un truc à boire? Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Vas-y. Ouais, ouais, carrément. Ouais. Viens, viens, viens. Lui, il a des couilles, c'est des tonneaux. Moi, j'ai besoin. Ouais, ouais, ouais. Tu parles mal aux gens, je parle mal normalement, frère. Tiens, je te fais menu. Ouais, je lève-toi, Igor.
Et à partir du moment où il a une arme sous ton nez, il parle comme il veut, frérot. Ok, ok. Si on a un pote, on est quand même, lève-toi. Non, mais... J'arrive pas. Bah, tu pourras, tu enlèves tes genoux du sol et tu mets tes pieds dessus. Là, ouais, c'est bon. Putain, je suis hyper stylé comme ça. Lève les mains, maman. J'avoue, t'as du flow. Ouais, Tibone. Bah, y'a un bon. T'appelles comment? Moi, je m'appelais Sadio, moi. Salut, Sadio. Salut. Sadio, lequel? Sadio, comment lequel? Comment ça, lequel? Le mané ou... Non, quoi? Non, ça n'a rien à voir, okay. Ok. Je fais quoi avec toi? Je sais pas, fais ce que tu veux, c'est ce que ton pote il comprend pas. Il dit quoi? Il explique tranquillement, qu'on lui dit, explique tranquillement que t'es tendu, parle tranquillement. Il fait le mec, il veut hausser la voix. Il sort de la voiture, il sort direct son arme, il me braque. T'es tombé du mauvais, ouais. du mauvais joueur. T'es tombé, okay, du mauvais joueur, ouais. de 1 et de 2. Explique-le tranquillement. Mais vous faites les mecs, directement sortez les armes. Vous pouvez pas parler tranquillement en fait. On parle qu'à quelqu'un, ouais. Les après, on sort d'une sacrée soirée, tu vois. On n'a pas trop la patience. Madame, attendez, s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît. Écoute, d'accord, Zlatan, s'il vous plaît. Je parle pas à toi. C'est même pas moi qui a parlé, c'est mon pote qui est parti. Il est parti. Il dit, c'est moi, je suis venu, j'essaie de calmer le truc. Je dis, ouais, parle tranquillement. Et c'est rien à voir avec ton histoire là. D'accord, c'est mon pote qui est parti. Bah, tu prends pour ton poteau. Moi, je prends pour personne. T'étais avec lui. Moi, j'étais avec lui, mais je prends pour personne. C'est ton poteau. L'écoute, ouais, bah ouais, mais je prends pour personne. Bah voilà, comme ça je prends pour personne. Je prends pour personne. Tu vas prendre pour quelqu'un. Il y a un hélico au-dessus de notre tête. Bah techniquement, s'il a envie de te faire prendre, tu prends. Ton pote il manque de respect. Allô, on va lui manquer de respect. Il y a un hélicoptère au-dessus de nous. C'est logique. Il n'y a pas de ça, frère. Je suis d'accord avec toi. Ça, je suis d'accord avec toi. Bah voilà. Dites-lui qu'il parle tranquillement, qu'il s'explique tranquillement. Il dit, ouais, les gars, je suis pas du jeu. Ouais, on calme. Il parle tranquillement, on lui parle tranquillement. Vas-y, remonte, allez voir. Il y a un hélico au-dessus de nous. Il y a un hélico au-dessus, vas-y, remonte. Oui. Mais c'est un hélico de l'Elysage, ça. Ah, encore, ça me balise. Bah, il va appeler le. On regarde quand même bien, quoi. Mais non. Ouais, vas-y, on y va, les gars, on a faire d'autres trucs à la maison. Vas-y, toi, pense à Watt. Ouais, c'est bon. Bon, allez, salut. Salut, Sadio. À la prochaine, Sadio. Sadio, t'as un quoi, toi? Tu as un quartier de quoi, putain? Aïe. Ah, Sadio. Sadio. Ah, t'as l'air débité, maintenant il le plus son cul, genre. Oh, il m'énerve. Là, Sadio, j'ai oublié de te dire, tiens. Yes. Mais ouais, j'ai juré, ouais. Ça, les gens comme ça m'énerve. Bah, il dodge. Frère, moi, je m'en bats les couilles, hein. Je suis en train de le braquer, il sort son téléphone, il lâche un appel, je fous une balle dans sa grand-mère, frère. Là, dealer. À quel moment, Azor? Je comprends pas pourquoi t'as pas tiré quand il a fait ça. Parce que, frère, c'est sa mère. Pas tirer dessus un mec parce qu'il manque de respect, je m'en bats les couilles. Hein. Ouais, mais même, c'est trop. Bah, y'a des gens là. Grosse dinguerie, Tibone. Hein. J'essaye, ils m'ont dit. Non, Tibone, tu fais pas d'effort, frère. Quoi? Frère, t'aurais déjà assumé, poteau, la tête de homme. Frère, hier, j'ai cru que j'étais le seul. Ce soir-là, tout le monde était parti dormir, je voulais pas mettre tout le monde dans la merde, frère. Ouais, non, je comprends, mais la tête. En fait, t'aurais déjà assumé, frère. En fait, faut comprendre un principe où. On fait des trucs. Si la chose qu'on fait, on n'est pas prêt à l'assumer, ben on le fait pas. J'étais à deux gueules de le planter, les gars, je vous le dis. Si on est un gang, poteau, à force de pas assumer les trucs, ça va. Salut Luna, comment ça va? Oui, hier, ils m'ont tous attrapé, ils avaient tous AK, pompe, colle. Saint Andreas, oui, je connais, mais j'ai jamais joué dessus. Tu voulais que je dise quoi? Ils ont fait la même chose. Ah, j'ai un frisson. Non, mais ils ont fait la même chose, là. On a dit clairement oui, c'est nous. Ils nous remboursent le Beretta, frère, c'est bon. Ouais. Pour ça, frère, y'a rien. Juste maintenant, ils ont planté Jiki, donc on va devoir les baiser. Ouais, c'est ça. C'est tout. Mais comment ils l'ont attrapé, lui? Mais comment ils l'ont attrapé? Parce que dans tous les cas, on va les baiser. Tu sais comment ils ont fait? Ils nous ont fait l'épine, ils nous ont tiré dessus pour attraper. Non, non, attendez, y'a encore plus drôle. Raconte comment tu t'es fait attraper. En fait, t'as vu, j'ai vu un mec là arriver là avec une grosse PE90 là. T'as vu là-bas là? Ouais. Gros AK, il avait dans les mains. Je me suis dit, mais what the fuck, il a eu dans le coffee mystère lui? Du coup, je cours là-bas. Tu vois, y'a trois mecs qui sortent d'un. Je suis pas sûr de l'idée, hein. Moi, j'ai vu un mec, il a fait un bond de lapin sans le vouloir au-dessus du muret avec une AK. Et. Ah ouais. Mais vous savez pas, vous savez pas, dinguerie, hein. Et JK, il a un peu. Ah ouais, j'ai froid, ouais. Oh là là. Une dinguerie, frère. Ah, mais Julia, elle aurait pas réfléchi une fois. Ah bah, je sais pas. Super, c'est fils. Et moi, il m'aime pas. Ouais, non, toi, même toi, t'abuses aussi, pote. Pourquoi il t'aime pas? Mais en fait, t'as. T'inquiète. Eh, c'est branlé sur eux pendant au moins 8 ans, frère. Ça, je sais, ça. Ouais, tu vois. Tu sais que même moi j'étais comme as. Ça, je disais, vas-y, mon gars, ouais, dis-moi. Après, je fais ça, je fais. Oh, excuse-moi.
Et bah franchement t'as de la chance, j'aurais été indien, je crois que je t'aurais tiré dessus. Y'a personne qui a le numéro de JK là. Mais non mais là le pote lui il est mort lui. Non il est pas mort. Il est mort. Ah tu sais qui c'est qui fait. Ici attends, je appelle, appelle, demande les gars. Les gars ils sont où les gilets? Ils sont les gilets? Ah bah moi je peux... Je vais les déposer. Qui qui avait un deuxième Tech 9? Moi j'avais un Tech 9. Moi il est c'est l'ancien. C'est l'ancien. Il t'a pas passé son tech lui? Non. Bah non. C'est mieux ah, demain il se réveille le déposer. Et je vous jure comment j'étais choqué de la calée frère. Ouais, mais moi je te dis. Je comprends bien pourquoi non. En fait. Non, mais moi t'as vu ce que je t'ai dit, c'est qu'au Beretta on a rien pu faire. Ça pue la merde les Beretta. Tu sais qu'ils sont 5 à être tombés chez eux. Ouais. On les a vus à l'hôpital. C'était bien, ils avaient les pauses aussi. J'ai entendu grave des détonations d'automatique hein, comparé à nous. Ouais, automatique, mais je vous jure que. Ils ont perdu Naka de toute façon. Vous êtes tombés trop vite, les frères, c'est une dinguerie. Tu sais que. Ah, mais bon, c'est l'ancien. Sandwich, moi et Lilby, c'était une dingue. De toute façon, t'as vu, moi, je suis pas un mec dans ma jeunesse qui a tiré. En plus, j'avais pas de zilet. Alors, moi, tu sais que j'ai tiré un peu. T'inquiète, t'es vendé après. Ouais, vendé merci, après. Merci. C'est sûr, parce que j'en ai blessé un. Inaya, elle m'a vu tomber au sol. Et ouais. Je crois qu'elle lui a tiré dessus. Ouais, j'ai attendu après, un peu. Il m'avait pas vu. J'attendais un peu après de faire un feu de sa mère. C'est quoi pour checker, tu vois. T'as de quoi? Il répond pas. Je crois qu'il s'est couché là-bas. Du coup, en fait, on a rien perdu. Non, bah, t'as pas perdu. Moi, il y a que toi, T-Bone, qui a tout niqué en perdant la K, quoi. Non, il y a des quand t'es perdu aussi. Vraiment, hein. Oui, mais Rena, c'est pas très grave. Avec eux, comment ça? Ah oui, bah oui, il y a moyen. On avait déjà. Je vais ouvrir un TikTok exprès pour ça. On allait. Ouais, mais ça sert à rien. Vraiment, on aurait été plaqués, je dirais. Non, mais frère, on était trop bien. T'es trop bien. Je te jure qu'on avait trois qui. Dommage qu'il y avait le Odida qui a fait le bac du bac. Sinon c'était moins 3 en plus. Peut-être ouais. Je t'ai dit que des Beretta ça pue la merde. Moi ce qu'il faut faire, faut qu'on achète de la cam, qu'on vende en masse et on achète des autos. Je sais pas. Moi je vous dis faut faire ça mon gars. Ouais 50. Ils ont de la coke à un prix mon pote. En plus, t'as loupé ma truc ce soir. Faut manquer de respect, mais ça fait 2 jours que je vous dis faut acheter de la cam qu'on fasse du fric. Hein. Mmh. T'inquiète pas. Je suis déter à les vendre, vous savez très bien. Moi, s'il faut vendre, qu'on achète des autos, moi je le fais, je m'en bats les couilles. Ouais, bah, c'est chaud. Non, parce que tu vois, les Beretta, ça va bien pour la bijouterie, tout ça, tu vois. Ouais, c'est là. Tu sais pourquoi j'ai arrêté de prendre de la cam? Parce que personne bougeait son cul dans le quartier, vraiment. Hein. C'est sûr, t'aurais pris, mais moi je serais allé vendre tout seul, je m'en bats les couilles. Non, moi je vais pas te mentir, si moi je vous appelais pas pour vendre, personne n'allait vendre. Vraiment. On a l'équipe là. Là j'ai l'équipe, ouais. Bon, on a tiré, c'est pas grave. Moi du coup, demain je dois aller faire un contrôle à l'hosto.